parole@palais.com. Très bon week-end sur Kiskeya. Journal 4. 4 chaque après-midi sur Radio Kiskeya. Journal 4, yon seul journal à l'ESA dans tout pays. Journal 4, nouvelle totale. Bon dit tout le monde, bonsoir, bigo information nouvelle gain pour nous présenter après-midi dans journal ça. Dossier la Saline nan a fait gros point dans actualité et pas seulement en Haïti puisque yon enquête MINUSCA qui représentait Nations Unies menait confirmer information organisation k'ap défendre droit moun yo te bay pral gain 1 an qu'il y a presque et sous attaque ça qui était faite selon rapport Nations Unies à travers MINUSCA dit c'est une attaque qui était bien planifiée, qui était bien menée, te gen 5 gangs qui t'ai participé et pas écarté complicité l'état selon Nations Unies dans attaque ça. Et côté selon enquête yo mené sous place et attaque là li duré 16 heures de temps yo étonné 14 heures de temps yo étonné pour la police pas faire intervention et en plus de ça li fait besoin 4 heures pour arriver premier attaquant 13 novembre nan, jusqu'à 6 heures à souhait c'est la pi fort moun yo t'après perdu la vie selon enquête yo mené Richard Duplan qui s'est délégué l'ouest nan t'a présent dans moment attaque là il était gain avec lui Jimmy Cherizier alias Barbecue ou agent dans la police nan yo kounye la yo mette le dehors unité départementale et maintien l'ordre Udmo à Grégory Antoine alias Tigreg qui sont agents de la police administrative là ensemble avec même gang armé tout est habillé en noir et ont gain cagoule dans tête yo parmi moun qui était armé ont gain un autre policier encore le Gustave alias Choupit et puis un agent corps intervention à maintien l'ordre de la police toujours Simo et yo t'est arrivé identifié témoin yo identifié plusieurs membres dans gang qui t'est accompagné délégué a toujours selon même information secrétaire exécutif réseau national qui a défendre droit monde directeur exécutif RNDDH monsieur Pierre Espérance dans interview par Radio Kiskeya fait qu'on est rapport Nations Unies publié sous massacre la Saline nan, qui fait à partir de 13 novembre année passée a confirmé rapport RNDDH t'est publié et même si il y a une différence dans valeur chiffre parce que il dit yo même yo t'ai rencontré avec plus moun défenseur droit moun nan rappelé massacre ça son massacre qui porte signature l'état haïtien et il était fait pour t'empêcher mobilisation populaire contre Jovenel Moïse et défenseur droit moun nan yo l'autre pas monsieur Espérance souhaitait la justice fait travail et arrêter tout moun qui impliqué dans massacre ça tant que délégué l'ouest nan Pierre Richard Duplan et ensemble avec ministre intérieur dans gouvernement démissionnaire là Jean-Marie Renaldo Brunet directeur général ministère intérieur à collectivité territoriale Fednel Monchéri ensemble avec un ancien policier ça et il y aurait les Cherizier Barbecue et il fait connaître toujours dans interview ça Alban et by Radio Kiskeya demande population continuer mobiliser pour forcer la justice mettre main sous assassin. L'autre point non actualité a bien sûr ces situations crise politique là et puis avec l'autre information qui sorti dans source crédible qui montrait l'aura pas de voyer en quelle mission en Haïti c'est une faux mission qui vini et c'est gouvernement haïtien qui fait vini et une information qui estomaqué organisation qui a défendu droit monde dans l'église catholique responsable commission Episcopal Justice ak la PJ la madame Justine Kola Noël ouais comme yon manque respect pour peuple haïtien les Jovenel Moïse en tant que président invité de étranger et pour une faire proposition l'OEA pour passer en papier rapport yon organe de l'état qui c'est la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif défenseuse droit moun nan qui décide à parler avec délégation ça en fait qui va révéler son faux délégation fait qu'on est depuis sous proposition yoté fait qui c'est élection dans trois années qui vient là et puis formation gouvernement pour Jovenel Moïse toujours été dans tête pays yoté déjà ouais c'est pour Jovenel
yo vin roulé. Li déclaré action ça, c'est l'huile yo vin mettre sous du feu mobilisation. Madame Kola qui t'a réagi sous crise pays a fait face dans dernier temps ça yo dans micro radio Kiskeya. Fait qu'on n'est pas seulement en crise politique, mais li social, li économique et puis li humanitaire. Sous faux délégation l'OEA en Haïti avec manœuvre gouvernement tête Kalea, le sénateur Nenel Kassi qui fait qu'on est peuple haïtien grand monde tête li, li pa gen moun k'ap vinn passer l'ode. Li fait qu'on est faux délégation ça qui vinn pas dire rien du tout. Dirigeant organisation secteur démocratique populaire dit mobilisation a poursuivre sans prendre souffle jusqu'à ce que jeune bout Jovenel Moïse et li invité non sans ça tout le monde participer dans cadre mobilisation qui a continué. Et puis toujours concernant situation politique là, un défenseur attitré pouvoir tête Kalea c'est député Kinskoff là Alfredo Antoine Junior et député Alfredo Antoine et voyez jeter proposition et secteur dans opposition fait qui mandait pour écraser parlement. Dans l'interview de Libaye Radio Kiskeya, député Kinskoff l'a critiqué, même opposition, lui dit, population baïkane dans l'élection qui se passe, yo kap cherche pour un pouvoir dans le coup d'État. Parlementaire a mandé secteur opposition pour aller de préférence dans l'élection, même proposition avec faux délégation l'OEA, et pour être capable de prendre pouvoir. Dans même déclaration, li fait, député qui fait partie du bloc majoritaire, fait qu'on est, pas gen anken moun qui gen droit pour écraser parlement. Et puis n'a gagné tout pour parler toujours de situation politique la fois ça avec dirigeant Union non qui c'est Clarence Renoir et qui parlait de proposition et opposition un parti assez significatif dans opposition fait et avec documents ça présenté et hier il fait qu'on est que c'est un pas important. Et ça qui doit fait, c'est pression qui doit mettre pour ça qui est écrit dans le document respecté, qui va permettre de faire un pas en avant dans la transition pour remettre Haïti campé sous pied. À la tête Union, parler de nécessité pour que Chita parle, cependant, il dit qu'il doit faire avec Jovenel Moïse pour montrer la présence li et représenter plus de problèmes pour le pays. D'après ça, il déclare. Et puis concernant faux mission délégation l'OEA te vienne faire en Haïti sans que pas gain laisser passer conseil permanent Jean que ambassadeur Antigua et dénoncé et dirigeant Union Clarence Renoir montré c'est regrettable pour politique a fait ak menti sur la place publique li considérer ça comme une soufflette une insulte déclaration membre l'OEA qui dit pour demander pour gagner compagnie internationale nan question affaires finance qui pour venir garder travail la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif TFA mais faut que tu dis ça avec appui Jovenel Moïse qui prête pour signer un document et prête pour aller Washington pour faire ça c'est ça le déclaré by faux délégation l'OEA. N'a bien pour nous parler de plusieurs autres points d'actualité nationale là dans actualité internationale là et Trump a annoncé li camper sous décision te dit te prend pour te déporter un pile ak un paquet de monde qui pa gen papier qui illégal dans pays États-Unis. Et puis en parlant de États-Unis koune la se bataille nan mitan parti démocrate là pour konn qui est dans plus que 20 candidats qui pour jwenn laisser passer parti pour à affronter Trump dans élection 2020 bien son trio qui gen la donne trois candidats qui gen passé 70 ans. Et jeune candidat yo pas arrivé émerger malgré bataille y a mené pour ta jeune laisser passer et parti. N'a gagné tout pour nous parler de bataille qu'a mené pour Ten Downing Street là avec Boris Johnson et qui c'est ancien magistrat et ville Londres capitale Grande-Bretagne et qui c'est favori qui n'en route semblait pour al diriger Grande-Bretagne et en même temps tout li même li dit pas t'en parler en pile avec Union européenne et pour quitter avec ou sans accord Union. Invité journal 4 après-midi a ancien député Sadra Dieudonné dirigeant Mokrena sous conjoncture politique là la répondre question Beethoven François fils. Ces informations ça a campilote. Nous va gain pour développer pour vous après-midi dans journal ça.
Journal 4A, c'est Unibank qui pote pour nous. Olapale.com. Avant de commencer le journal là avec rapport ça, mission Nations Unies en Haïti a publié sous massacre la Saline, attaque qui était faite contre population, une opération bien montée qui était participé la donne et selon rapport à complicité, yo dit qu'il y a possibilité que l'État haïtien impliqué dans attaque ça contre propre population selon Nations Unies. Section droit moun Nations Unies hein, en Haïti qui a appuyé la justice Minijus qui remplaçait Minusta li publié résultat par lui-même tout ça qui était passé dans la Saline dans le 13 pour le 14 novembre année passée enquête non et que SDH nan mené et parler de attaque la Saline nan c'est une opération bien montée une opération que au moins 5 gangs étaient participé là-dedans avec possibilité de jouer une complicité même et moun ki dans l'état et compte pour zone nan particulièrement deux groupes qui tap goumen Kafou l'abattoir ak projet la Saline et ensemble avec résident yo suspect qui t'a associé à deux gangs ça selon rapport Nations Unies. Attaque la Saline nan ki fèt nan date 13 à 14 novembre 2018 représente à la fois yon zak violence sans pareil et gravement grave et action sa yo ki fèt sou yon bon valè moun ki victime et c'est ça représentant Nations Unies en Haïti estimé. Attaque lan pou pipiti selon chiffre pa yo ta gen 26 moun ki mouri et ta gen 3 les autres ki blessé. Et gen deux la dayo qui était victime de viol ka déjà collectif plusieurs moun et qui fait ka déjà sous deux mesdames et en plus de ça gen 12 nan moun qui victime yo pa jam joine yo qui disparaît et chif yo pas total capital et d'après sa rapport l'ONU en fait connait il retracé événement massacre ça et enquête lan rapporté que attaque lan et chef gang Chabon qui t'a dirigé avec participation yon lot gang yore les bois d'homme dans la Saline ensemble avec trois autres gang qui sorti l'autre côté qui vinn pote coller et tant coup gang Tokyo Delma 6 ak Pilate bandi sa yo et qui t'est camouflé et yo t'est habillé ak uniforme Boyd et qui sont unité dans la police non té entré dans quartier sa yo et puis assassiné moun k'ap viv nan zone nan et assaillant yo té ralé moun yo en dedans kay yo mené yo dehors dans la rue et puis fusé yo et en bas balle ou bien en bas coup de manchette ou bien tous les deux yo créé un climat terreur nan quartier gen des résidents qui té ap essayé courir qui té quartier yo capturé yo yo exécuté yo ou bien blessé yo dans la rue même jour majorité victime yo touye yo entre 4h privé 6h jour qui était 13 novembre non 2018 d'après sa rapport a précisé selon enquête mission Nations Unies mené et yo fait qu'on est l'ordre pour te faire massacre ça d'après information yo jeune enquête mené c'est à délégué départemental l'ouest non et Richard Duplan et qui t'a ordonné donc c'est Pierre Richard Duplan et qui selon témoin yo yo té wel ensemble avec Jimmy Cherizier alias Barbecue yon policier té nan unité départementale maintien l'ordre Idmo yo meté le dehors dans la police tan kounye la et puis yo té wel tout ensemble avec Grégory Antoine alias Tigreg yon agent la police administrative ensemble avec l'autre membre gang armé qui était habillé en noir et yo te gen kagoul nan tête yo parmi l'autre moun qui te gen zam nan men nan opération ça yo te identifié un troisième policier le Gustave alias Choupit qui c'est un agent Simo et que moun yo tout identifié et gen témoin qui identifié parmi moun yo reconnaître qui te participé nan massacre des gang qui te présent tankou Donaldson Chabon Eddie Maka Boisdom Pablo Tokyo ak Serge Alexis alias T Junior qui c'est chef gang Chabon. Et Pierre Richard Duplan et ta parlé ak membre gang yo
et il t'a dit yo nous touye trop moun c'est pas mission ça te ban nous et d'après ça yo rapporté selon ça témoin dit yo t'étendé et puis après ça il t'a quitté zone là à bon machine et donc présence délégué a délégué départemental l'ouest là sous les lieux c'est la première fois il parlait de ça avec agent la police t'a voulu dit que gon possibilité pour représentant l'état nan haut niveau impliqué dans événement d'après ça rapport Nations Unies fait connaître Nations Unies qui dit li pas ka comprendre réaction la police nationale d'Haïti qui malgré li tout près côté crime ça a été fait là li pas fait aucune intervention pour te stopper yo malgré te duré en pile temps il parlait de attaque la saline nan te duré au moins 14 heures de temps sans que la police pas levé ti doit il pas fait rien et trois premiers l'attaque attaque l'attaque t'a fait non c'est dans ça te gain plus moun qui t'est mouri même gang yo yo t'est attaqué kay moun yo sans que pas gain qu'est sauté parce que pas gain kin intervention la police t'est fait malgré que gain plusieurs postes police qui tout près côté scène rivé d'après ça rapport a fait connaître il parlait de deux sous-commissariats police nationale là gain youn dans la saline gon l'autre qui dans portail Saint-Joseph qui tout près et puis gain quartier général Simoa et brigade opération intervention Boyd qui yo même tout pas tellement loin yo à une distance moins que 1 kilomètre dans zone côté massacre là té fait là Nations Unies dit pas comprendre rien le fait que la police pas fait rien et sous commissariat la saline là li trouvé sous boulevard qui en face quartier côté attaque là t'a fait là et agent la police yo tande rel moun yo y a tiré sur yo k'ap bande secours et selon et témoignage et que mission di jwenn sou place machine la police te tout près côté massacre là t'a fait là yo t'a fait patrouille aux alentours dans quartier la saline là pendant au moins 2 heures de temps pendant attaque gang nan tap fait là côté j'étais gen balle cap tiré gen moun cap relé la police pas jamais vini d'après rapport ça qui gagne 20 pages le fait que la police pas fait intervention l'état pas dit rien pour protéger la population en bas à violence gang yo fait souli ça son gros tête chargé pour Nations Unies et c'est ça enquêteur yo regrette et yo dit tout défenseur droit moun yo qui recommandait responsable inspection générale police là pour l'ouvrir une enquête le fait que toute poste police qui était tout près quartier a pas fait rien dans la saline jou massacre qui était 13 à 14 novembre 2018 pour te contribuer pour te mettre un point final dans attaque gang yo t'a fait pour gouvernement pays d'Haïti Nations Unies mandé pour mener une enquête et qui est plus approfondie sous action violence ça yo que des gangs fait à complicité de monde qui représentait l'état et puis avec des agents police nationale là dans la saline et monde yo suspect dans crime ça yo responsable de zak violence ça yo là-dedans yo violence et qui était exercé ou de monde qui nan pouvoir bien qui était gain responsabilité publique faut que monde ça yo traduit rapidement devant la justice et selon norme internationale dans ça qui concerne procès équitable qui chita sous justice et gouvernement doit assurer que yo fait tout ça yo capable et pour des mesures disciplinaires qui prend et concernant moun qui gen non cité dans crime ça selon procédure la justice gen dans sens ça dans ça qui concerne agent l'état qui concerne yo d'après rapport Nations Unies qui mandé tout pour adopter mesures et qui d'aplomb à situation pour protéger sécurité et moun ki victime yo moun ki sauvé en bas massacre lan physiquement et puis psychologiquement et pour préserver dignité moun ki victime yo et témoin autour qui porter plainte pour violence sans pareil ça ak appui particulier pour ti moun ti mineur qui assisté crime yo ou bien qui victime et ou bien victime collatérale qui perdu maman yo papa yo et victime femme qui victime et cas déjà crime sexuel pour être capable réaliser enquête ça CSDH dit en contact plusieurs victimes ensemble avec famille et de massacre la saline non en contact plusieurs membres société civile haïtienne
ensemble avec représentants institutions dans l'État, particulièrement système justice, non, pour y être capable documenter événement et puis jouer une réponse autorité face à violence ça, face à crime ça qui commettent, et connaît l'État haïtien pas dit rien et rapport à yo partager avec gouvernement haïtien en va yo publier et ramasser commentaire tout que yo mettez dans texte non d'après ça mission mini juste préciser yo dit yo pas dit que yo rivé analyser tout kayo puisque yo ba un chiffre yo pas quoi qui représenter valeur 4 gain yo mais c'est sous cas ça yo travail et yo représenter des cas yo dit yo rivé documenter et puis vérifier d'après ça mini juste fait connaître nous connaît dans ça qui concernait pouvoir tête caléa et Jovenel Moïse particulièrement quel que l'on soit monde qui dans entourage dit qui en a fait qui gagne dans cité d'apprend délégué dans Noa il fait tout moyen pour retirer en bas la justice même gens dans département l'ouest non? Donc il pas en a fait à question la justice et c'est ça que fait yo quoi que avec présence li dans tel pays a blier ça pas jamais gain justice et pour crime qui concernait dossier Petro Caribéa et comme li impliqué directement la donne parce que si gain jugement k'ap fait li c'est youn nan moun y'ap juger donc quoi que Jean que te dit la France là l'a fait tout ça le capable pour empêcher process à fait et nous quoi cette déclaration ça qui sincère c'est pas toute l'autre manœuvre li vinn faire en après. Concernant le rapport mini juste qui confirme ça que plusieurs organisations qui a défendu droit monde et été dénoncé dans ça qui concernait massacre ça et qui était fait et gain organisation fondation j'éclairé et gain RNDDH qui était dénoncé et crime ça après ça te gain l'autre organisation qui t'a prêt faire relais dans dossier ça mais l'État haïtien pas jamais dit rien et gen directeur exécutif réseau national qui a défendu et droit monde RNDDH monsieur Pierre Espérance dans interview le by Radio Kiskeya il a réagi sur rapport Nations Unies publié sous massacre la Saline non et qui était fait 13 novembre à 14 novembre 2018 il dit que eh bien rapport ça corroborer tout ça que même était bail en étant chiffre qui pas même mais monsieur Espérance en fait connaît yo même été rencontré plus monde que mission Nations Unies et défenseur droit monde rappeler massacre ça l'état haïtien fait contre peuple la Saline non c'est pour empêcher mobilisation populaire dans quatre mouvements lever campé il y a environ un an que lever campé contre Jovenel Moïse sous pouvoir n'a pas qui t'a répondre question Joubert Joseph. Il n'y a pas grand chiffre différent de rapport à moi. Nations Unies fait ça au capable et au dit dans le rapport, côté que nous seulement compté les cas et les jeunes, ça veut dire des familles, et nous compté tout, alors les gens qui mourent et nous compté les cas parmi les jeunes, nous disparaissons comme nous-mêmes dans la RNDDH. Nous avons fait environ 3 semaines à mener en enquête sur la Saline, n'allez dans la Saline, on a compté un paquet de monde, nous parler avec ce qui se passe. 400 et familles. Nous rencontrons toutes les familles victimes. Donc, à partir de ça, c'est notre rapport. Donc, si on veut un rapport de CPJ ou un rapport Nations Unies, je peux dire que le massacre à Salina, c'était un massacre bien planifié. Nous-mêmes, et dans le rapport de CPJ, ni rapport Nations Unies, nous disons que c'est une autorité et les parties impliquées dans le massacre. J'en ai dit le tout à RDH. Donc, ça, c'est le massacre à son massacre d'État. Non seulement son massacre était planifié avec autorité des gangs, dans son Jimmy Chérizier Babécu et puis le fin de massacre après massacre le ministère intérieur qui était planifié massacre avec délégation de l'OSA avec Babécu et bien nous avons établi pour l'argent nous continuons par exemple nous avons fait tout pour continuer massacrer la population dans la saline d'Elma 4 qui est objectif pour les gens pouvoir après massacre parce que dans la Saline, Delmas 4, ils jouent un rôle important dans la mobilisation. Et après beaucoup de chaînes de manifestation qui étaient faites en octobre 2018, MS fait ça, autorité, le ministère intérieur, avec délégation de l'OSA, planifié massacre. Et
si vous avez bien, bien, organisation d'information, capable de faire un rapport contre les dégâts de la farine, c'est grâce à la vigilance sociétaire, c'est grâce à la mobilisation citoyenne, c'est grâce à la mobilisation de quatre organisations de la société, et c'est grâce à la presse là, et certains médias, et qui accompagnent les populations, et qui côté de pouvoir aller bien loin, et qui fait que, je ne veux dire, tout le monde a pris la salive, des massacres la salive. C'est pas normal, l'autorité qui est là pour protéger les vies avec bien les populations, qui doit travailler dans l'intérêt des populations, et puis en bas, et puis c'est eux-mêmes même qui a utilisé bandits, qui a utilisé gangs pour terroriser les populations. Oui, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, toujours, yon, l'autre prof, ou l'autre prof, on te dit M. Espérance, bien loin, juste en Europe. Et c'est ça fait, nous, son petit Jean, pas tof. Et Espérance souhaitait la justice fait travail pour arrêter tout le monde qui impliqué dans le massacre ça qui fait sous peuple la Saline. Non. Et le cité non. Tant que délégué départemental l'Ouest, Pierre Richard Duplan, non cité dans rapport, tout rapport qui sorti sous massacre ça, gen tout ministre intérieur à collectivité territoriale dans gouvernement démissionnaire là Jean-Marie Renaldo Bouinet, gen tout directeur général même ministère ça Fednel Monchéri et puis ancien policier et ça Cherizier et Dimi Cherizier alias Barbecue. Nous connaissons qu'il était même un plan pour assassiner M. Espérance. D'après ça, RNDDH a été dénoncé avec plusieurs organisations qui défendent Douamoun. Défenseur Douamoun a demandé la population continue à mobiliser pour forcer la justice à mettre main sous bandits Sahayo et pour victimes capables de jouer une justice. Nous avons le directeur exécutif RNDDH, toujours dans le micro, Joubert Joseph, M. Pierre Espérance. Société a dû mobiliser, l'organisation a dû continuer à accompagner les victimes, parce que depuis ma tasse qui nous fait à la Saline, il y a l'autre marque qui fait c'est dans la zone métropolitaine là, et la capitale là, et dans la Saline là, et autorité au par exemple, aucun accompagnement à victimes et à familles, et qui est pas capable de tourner dans la zone là. Donc c'est un massacre bien planifié. Et par autorité, et ces ministères intégrés qui, avec délégation de l'OSA, qui payaient des bandits, et ça fait des anciens policiers dans votre petit avec les barbecues, du ministère pour avec l'OSA, pour aller massacrer les populations et la famille. Donc, c'est vigilance citoyenne, c'est mobilisation citoyenne qui est capable de faire qui se pousser la justice pour faire l'union et sous ma patrie pour arrêter tout délinquant, tout bandit, quel que soit pour rôle, fonction et bandit ça, qui n'allait pas occuper et qui évite ma patrie à eh bien, la justice fait pour arrêter sans et aucune considération. Et tout en train de tout agir, ma question, et soit pour demander et Jean produit une génération de voleurs aussi arrogants, qui ont volé sans nuance, sans aucun respect. Nous sommes toujours à la page 426. La Cour dit qu'il y a 60 757 personnes qui ont dit au bail bonne solidarité, bonne diligence. Les gens ne sont pas existé comme ça. C'est comme qu'elle est dans la poche Laurent Lamotte, dans la poche et Sophia Matéli, dans la poche Olivier Matéli, dans la poche Jovenel. Voilà, bon, nous, excusez-nous, c'est un télescopage là, nous sommes de lui. Et nous avons appelé M. Pierre Espérance, directeur exécutif NDDH, qui m'a dit arrêter tout le monde qui a été cité dans le massacre. Ça, là-dedans, représentant l'État, tant que délégué l'Ouest, tant que ministre intérieur dans le gouvernement démissionnaire, là, ou bien policier, ça a été dehors barbecue dans la police, là, ou bien directeur général ministre intérieur. D'après ça, le préciser. Nous excusez-nous pour le télescopage qui était gagné avec une autre son à fond premier campé. Société a dû mobiliser, l'organisation a dû continuer à accompagner les victimes, parce que depuis ma tasse qui me fait à la Saline, il y a l'autre marque qui fait c'est dans la zone métropolitaine, et la capitale là, et dans la Saline, là, et autorité, par exemple, aucun accompagnement à victimes et à familles, et qui. Et pas
dans la zone. Donc c'est un massacre bien planifié et par autorité et c'est le ministère intérieur qui, avec délégation de l'OSAS, qui payait des banderies et donc des anciens policiers de la boutique web avec les barbecues du ministère sécurisé pour avec l'OSAS pour aller massacrer les populations et la famille. Donc c'est vivre citoyen, c'est mobilisation citoyenne qui est capable de faire. Qui se poussait la justice pour faire l'union et sous massacre à l'union pour arrêter tout délinquant, tout le monde, quel que soit le rôle, fonction et bandit ça, qui n'allait pas occuper et qui évitait le massacre à l'union, bien la justice fait pour arrêter sans et aucune considération. Et tout en train de tout agir, la question. Et soit tout à manger. J'en produit une génération de voleurs aussi arrogants. Ils volaient sans nuance, sans aucun respect. Nous sommes toujours à la page 425. La Cour dit que 60 757 personnes ont dit qu'ils ont bonne solidarité, bonne diligence. Les gens ne sont pas existé comme ça. C'est comme qu'elle est dans la poche Laurent Lamotte. Dans la poche et Sophia Matéli, dans la poche Olivier Matéli, dans la poche Jovenel. Voilà, bon, nous, excusez-nous, c'est un télescopage là, nous sommes tendés. Et nous avons appelé M. Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, qui m'a dit arrêter tout le monde qui a été cité dans le massacre. Là-dedans, représentant l'État, tant que délégué l'Ouest, tant que ministre intérieur dans le gouvernement démissionnaire là. Ou bien policier, ça a mette dehors barbecue dans la police là, ou bien directeur général ministère intérieur, d'après ça le préciser. Nous excusez-nous pour le télescopage qui te gagne avec une autre son à fond premier campé. Paulmapalais.com. Très bon week-end sur Kiskeya. Ou toujours sur Radio Kiskeya, on suivre un journal 4 ans, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre. Nous, on a salué tout internaute qui a pu se voir sur www.radiokiskeya.com, quel que l'on soit à côté, vous voyez. Et tout ça, tout qui a pu se voir sur plateforme intelligente. Premier coup de pied dans l'actualité internationale, la peine dans la ville Londres, et capitale Royaume-Uni, côté Jean Kennedy Dioli dans le titre, une bataille politique. Et pour qu'on qui est-ce qui pourrait remplacer Theresa May dans tête gouvernement britannique là et dans tête parti conservateur. Et Boris Johnson, ancien chef diplomatie britannique là, ancien magistrat ville London, et qui c'est tout un personnage et lié haut en couleur et monsieur jusqu'à présent c'est Cap Menin. Mais cependant monsieur pendant la Menin dans la nuit hier soir pour nous vivre une journée, la police était à la caille parce que un voisin qui était inquiet, il dit attendez madame monsieur après les et il attendait bruit porte qui a frappé porte là tellement frappé fort et il souquait tout bloc appartement et information ça qui fait la une de tout et média et tout tabloïd britannique jeudi vient si mais la troublaille dans coup ça qui jusqu'à présent te paraît comme une simple formalité pour Boris Johnson qui rivait éliminer presque toute concurrent lui quoi il a arrêté seulement à la tête Foreign Office qui c'est ministère affaires étrangères et devant lui et dans dernier tour il gagne pour le faire là dans ça qui concernait voix Tories c'est même parti conservateur et est-ce que tu as bataille avec madame ni dans l'été ça pour l'ouvrir journée jeudi hein. Et c'est sa voisin qui relaie la police, laissez comprendre. Et il dit, et la police a fait intervention hier soir, et dans résidence ancien magistrat London, qui candidat pour le prochain premier ministre britannique. Bon, il dit, monsieur, son spécialiste lié, il fait un pile gaffe, il fait un pile excès. Et après que la police recevait un appel qui parlait de bruit, attendez, comme si bataille entre madame et mouché. Et selon The Guardian qui rapporte information voisin télé la police dans la nuit hier soir lui déclaré que lui tendait mon Gabrielé et lui tendait porte cap frappé et Kai Johnson avec madame ni qui c'est Carrie Simons y a vivre dans sud Londres madame Simons et d'après voisin tendait la prélé
et il dit monsieur dégage retire corps là disparaît tout devant sorti dans appartement d'après ça journal l'a fait connaître il y a une porte-parole la police Londres et journal l'a te mandé est-ce que c'est vrai qui confirmait effectivement était recevoir appel ça de un voisin et date ça il était besoin minuit à chavir sous minuit et demi mais d'après ça il fait connaître les yo aller dans appartement parce que le voisin était inquiet la police dit l'arrivé sous place dit parle à tout le monde qui était dans Kai Boris Johnson non dans adresse yo te indiqué yoa yo dit tout le monde était très bien selon la police ville Londres yo pas révélé aucune infraction ni aucune source inquiétude Kai moun yo te parlé avec yoa donc yo dit pas aucune raison pour la police te agi qui donc tant coup Fouquet Boris Johnson pour aller avec d'après avoir ta bat madame ni parce que appel là c'est ça t'a laissé comprendre voisin dit que li enregistré bruit de tendeo à partir de la caille d'après ça raconté by de Guardian et li de frapper porte monsieur Damio au moins trois fois yo pas répondre et pas de gain quel monde qui devait ouvrir porte li affirmer que le tendé deux madame n'a poussé et puis il tendait porte qui frappait qui fait tout building là trembler et esclandre qui pétait en tant coupe Johnson non et excitement non et fait et jeudi à premier titre dans tout journal à tabloïd dans ville Londres cependant politologue dit que et ça dépend ça peut passer dans 24 heures qui a venir là li capable gagner un impact sur campagne non ben bookmakers je savais dit monde qui spécialisé dans faire pariage yo yo toujours parié sous Bojo Boris Johnson yo dit c'est lui même yo quoi qu'a gagné et tout ça pral déterminant c'est dans 24 heures de temps on pral connaît si effectivement voisin t'est enregistré et scandale là et que les gens que t'est dit là et li publié d'après ça The Times et qui écrit tout sous même affaire écrit au minimum ça pral garanti que coup ça qui te commencé par être comme une simple formalité parce que semblait pas rien qui était sous route et Boris Johnson eh bien il pral connait là connaît que faut qu'ils font paquet d'efforts parce que jusqu'à présent c'est lui-même qui était chouchou monde qui en faveur Brexit yo qui donc pour retirer Grande-Bretagne dans Union européenne ancien chef diplomatie britannique là qui était opposant farouche contre premier ministre britannique là Theresa May alors qu'il était ministre et bien je veux dire en face li actuel ministre affaires étrangères Jeremy Hunt et pour leadership parti conservateur et pour retirer tout Grande-Bretagne dans l'Union européenne dans cadre Brexit là et même parti dans Philippe pour mois juillet a gain pour dire qui est y a bail direction parti après toute consultation qui a fait dans mitan même parti et côté jusqu'à présent c'est Boris Johnson qui remporté la victoire automatiquement et yo fin fait toute consultation et eh bien moun yo choisi c'est lui même qui vinn automatiquement premier ministre alors deux candidats yo te doit affronter jeudi a dans ville Birmingham et côté yon série 16 débats yo organisé dans tout pays pour choisir qui est-ce qui pourra le prochain premier ministre britannique là événement ça li fait la veille 3e anniversaire référendum qui te dit que plus fort britannique yo d'accord pour sorti dans Union européenne et c'est gros sujet qui toujours était dans débat politique dans Grande-Bretagne et quoi là c'est qui est qui prochain qui pourra le prochain premier ministre mais Boris Johnson son homme charismatique il plein défauts mais il gagne en pile qualité tout qualité yo fait vite compenser par rapport à défaut il gagne gros défauts et gros qualité la plupart du temps les monde gagne gros qualité gagne gros défauts et ben c'est comme ça dit donc monsieur arrivé prend devant là avec charisme pour remplacer Theresa May était toujours à combattre les que jusqu'à présent il prend moitié dans tout suffrage et député qui exprimé pendant dernier vote yo fait dans ça qui concerne choix moun qui pour remplacer Theresa May on seul bail qui certain c'est pas pour femme son garçon qui pour dans 10 Downing Street là qui c'est résidence officielle premier ministre britannique yo les que tout processus là va finir mais Jeremy Hunt considéré tapi comme un outsider dit dans politique tout autant adversaire pas six pieds sous terre pas qu'à nous finir avec et ça faut en Haïti mais un hommage là sûr que six pieds sous terre dans ça finir avec yo net
alors que malheur te dit parce que moun mouri qui fait que s'il pas tombe bon moun li vin bon moun la mort ne rend pas l'homme meilleur mais Haïti nous remet ça et bien gayer et candidat qui en face là Jeremy Hunt qui dit que oui moi son outsider pas grand rien qui montrer que moi même ca remporter la victoire mon pas jamais connait côté de l'eau a passé pour l'entrer dans bougeon joumou et bien je ne jodi a monsieur peut-être qu'a gon chance si information ça confirmé que Boris Johnson c'est un homme qui violent qui a battu madame ni parce que gagnant chef Pentagone dans l'axe perdu job li et li pas arrivé passer devant parlement américain hein, parce que yo découvri monsieur son homme qui a battu madame ni qui violent on entré la caille pas nous la caille pas nous avec communiqué ça qui annoncé officiellement et festival musique rencontre et musique du monde là dans cadre donc on est hier et était commencé et puis c'est et ça fait 38 ans depuis que ministre culture français a Jacques Lang t'est créé et journée ça qui vient à travers le monde ben nous vraiment participé pas en pile fois la dernière notre atmosphère générale capable dire de musique fête de la musique là parce que en pile fois nous toujours dans bouleverse politique et tant qu'hier yeah, journée ça passé pas gagné rien qui fait ben te gen festival ça te prévoit pour te fête et ben li annulé à cause de événements politiques équipe festival rencontre des musiques du monde paraît un communiqué pour informer la presse publique là en général et tout monde qui a supporté de façon inconditionnelle en particulier à cause de gens tension politique là montrer haut dans pays journée jodi a fait que contrairement à ça yo te quoi yo pas capable faire festival là année ça et yo prend décision pour reporter dans tête collée avec un partenaire qui t'a appuyé festival là et tout artiste yo te programmé dans cadre activité ça et bien ont décidé pour reporter et pour une autre date pourquoi connait et 5e édition et festival et musique du monde là qui te prévoit pour te commencer depuis hier et qui t'a fini 29 juin qui a venu là t'attendais spot là que t'a passé sur antenne radio Kiskeya qui c'est une radio partenaire et cependant d'après ça communiqué a précisé il prévoit il a fait une soirée pour fan club blanc et fan club et festival là dans Yanvalou et café bar restaurant jour qui va jeudi 27 juin à partir de 7h dans aswe à participation tout artiste local yo parce que t'es gars artiste international qui t'a venu mais t'es grand pile artiste local tout t'es mobilisé et tout artiste local yo en solidarité avec en philosophie genre de rencontre musicale ça yo et date pour yo relancer festival là qui reporté et qui se rencontre des musiques du monde là et comité organisateur a fait qu'on a gain pour communiquer avant longtemps et c'est un communiqué qui porte date 20 juin et qui porte signature Gary Lubin qui directeur festival là qui a annoncé bel festival été ça qui t'a ouvri été là li renvoyé n'a pas extrait dans émission parler pour avancer côté Marvel a recevoir journaliste Pierre Raymond Dumas nous connaît qui entré en tant que journaliste dans histoire pays parce que pas gagne un politicien pas faire référence avec lui et en pile le monde l'a parlé de transition ça pas kabout cette transition qui n'en finit pas et l'a analysé situation politique pays à nan micro Marvel système moi y a dénoncé qu'on y a là c'est certainement un monde qui dans système non qui connaît système non qui capable fixer qui capable non innover parce que qui est problème Haïti gain alors qu'on emploie moi pour la France aussi. Et pas hasard que nous sommes ex-colonies de la France. Et il dit que Haïti est irréformable. Nous rétifs, nous allergies à réforme. Non, crasé brisé, ils font crasé brisé, déchoucasé, ça, où on s'en passe, ça fait 2 semaines, 3 semaines, nous faisons. Mais après, et what next? C'est ce que réforme, non, qui s'est demandé, lui demande des objectifs. J'ai dit tout à l'heure, tu as tout mentionné, que nous ne sommes pas capables de continuer, sans que nous ne sommes pas capables de bailler. Population soins de santé dernièrement par contre si c'est non qu'est-ce qui va faire on va faire monde qui enceinte à l'hôpital général par contre ça va jeune bref
Donc, nous, état de pauvreté et aussi de précarité extrême qui est dans le pays. Donc, il faut me poser cette question. Système, quoi comme on y a, ça va, Marvel, tout à l'heure, parle de système, non? Que vous-même, vous faites un rattachement, vous faites une liaison, comme d'ailleurs, son prolongement du duvalérisme. Moi-même, Marvel, m'a dit oui et non. Je crois que, et Karik, toi d'accord, en fait, nous, comme une rupture qui fait en 86. Il y a des avatars. C'est peut-être ça. Le professeur Maniga t'a parlé, parlant du duvalérisme, Maniga parlait d'une sorte de bagage qui est résiduel. Bon, c'est des petits barrages qui étaient. Mais, système, parce que nous parlons de ça, ça n'a pas vivre là, sans le système. Oui, cette collusion qu'il y a entre le Parlement et l'exécutif, c'est un autre système. L'autre pour barrage. Pas tout à fait nouveau que ça. Voilà. L'autre pour Pétro Caribéa. Par exemple, vous pouvez question la position sur Pétro Caribéa. Mais tout dossier, ça, tout accord, ça, pas accord, tout contrat, ça, il passe dans le coup de compte, qui qu'on y a là, a jugé. Et présumé dilapidateur, présumé concussionnaire, présumé, de manière très franche, monde qui fait malversation. Donc, qui fait que nous avons une situation là, à mon sens, et Marvel. Donc, il faut dire que le rapport là, il dénonçait qu'on subit des comptes. Aussi. Maintenant, et c'est là qu'il renforçait la crédibilité. Là. Maintenant, Marvel nous parlait tout à l'heure, vous parlez de justice là, mais moi-même, quoi que faut nous mentionner, dans l'affaire Bamboche là, on sort de impunité bien tout. Ben là trop facile ma belle. Comment impunité dans le pays hein? Moi m'balle dit pour mettre un tel en prison ou un tel ou pas, c'est pas ça, c'est pas ça mon idée. Mais comme nous elle dans plusieurs pays qu'on y a là, côté en Algérie, sont tête chargée ça passe en Algérie, au Soudan. Donc c'est-à-dire que nous nos situations que c'est faut faire un effort de redressement. Faut qu'il y ait des mesures et d'ordre. Et évidemment la justice dans le pays a fait Pétro Caribé. Justice statale a fonctionné. C'est pas la même manifestation. Justice statale a assumé. Donc, parce que nous avons un problème là. Nous avons un problème, c'est que toutes les institutions, depuis 86, le petit dégain, même si les institutions autoritaires, qui pas démocratiques, donc, ils étaient au service du régime du Valéris, du régime Makout, mais ça, lui-même, ça nous est là, et peut-être à moins de gognons, système nous est là, entre guillemets, en opposition à la dictature, institutions pas au service de la démocratie. Pas de monde. Non, pas quoi ça. Quoi que son pays, que malheureusement, et la culture du compromis, la culture du dialogue, la culture. Donc, contrairement à ça, je pense que tu as dit, pas ça. Ou pensez que c'est pas ça, mais. Gemoun. C'est ça. Mais il faut que nous ayons sens du compromis. Il faut que nous ayons esprit d'ouverture. C'est ça, blanc, et on va inclusif. C'est-à-dire que, quand pile jeune monde là, en arrière là. Par exemple, on connaît quand pile jeune, qui pas qui travaille, quand pile jeune, et professionnel, c'est pas forcément des monde qualifiés. Il faut nous créer, c'est ce même qu'on a tout à l'heure. Ma belle, bon, émission, ça va t'en faire pour toi. Ma belle, m'a dit ça. Non, ou bon, économie, par exemple. On va faire 33 ans. Qui économie, nous pas créer emploi. Au contraire, on a détruit emploi. Pas gain, on justice à fonctionner. Tout, parce que nous, là, on a parlé de la présidente de M. Jovenel Moïse et Marvel. Nous t'entendons de temps en temps, ça te gagne dans la justice là. Nous comptons ça te gagne dans la police là. Par exemple, on prend le directeur général de la police là, qui, à mon sens, hein, en termes de performance, je ne vais pas employer de performance, parce que vous avez employé performance à l'américaine, vous avez dit performance, ça n'est pas bon, non? Vous avez dit performance, ça bon. Dans le cas de M. Gédéon, comparativement avec Marguerite Sol, où est-ce que c'est des directeurs généraux de la police qui tiraillaient en deux bagailles, que entre l'opposition et le pouvoir, mais qui arrivaient, qui avaient un équilibre? Tant mieux. Je ne le dis pas parce que je connais M. Gédéon, je ne le dis pas parce que je connais M. André Sol. C'est ça, déjà, on a parlé de que, alors que nous avons tendance en Haïti à ce que ces vidéos, c'est eux-mêmes qui viennent politiser force de sécurité. Nous parlons de l'armée, nous parlons de la police. Donc, grosso modo, Marvel, nous prenons ça là. Moi-même, je ne peux pas dire son voix. Moi-même, par exemple, je crois que le dossier Pétro Caribé dans sa forme globale. Ok, à peu près, d'après ça, m'apprendre, d'après Sim. Référé ma président, hein, Volma, qui me connaît, et quand c'est 609 et projet nègre ventilé, sont à peu près de 409, grosso modo, Pétro Caribé. Mais il y a des projets, alors il faut vérifier avec les techniciens, il y a des projets, il faut parler de subventions, parce qu'il y a des subventions tout. Il y a l'argent dans Pétro Caribé qui est utilisé à des fins de subventions. Et autres, on a eu les faveurs. Donc, projet 409 projets. Et nous avons chita sous 59 seulement. Là, dit que soit vous avez un procès à Pétro Caribé, ou pas l'obligé peut-être de demander expertise nationale pour éplucher tout le dossier ça. Et qu'on n'a pas obligé de faire des enquêtes, quand vous et sénateur vous plantez. Nous, on précise ce dit là, sous 409, il y a épluché seulement 59.
Depuis le concours pour le moment. Concours c'est la chose de faire là. Quand tu parles sur le terrain. Ah non, d'abord c'est l'arbre que ça fait. Deux vieux courantiques, me t'appelle. Dis maman père. Ah, mon cher, moi-même t'appelle courantique, me t'appelle l'arbre et la forêt. Ah mon ami. Donc forêt à derrière. Olapalais.com. Demain après-midi à 1h dans Palais pour avancer côté Marvel à poursuivre la livrerie analyser sous situation politique pays. Situation politique pays, responsable commission épiscopale justice avec la paix Gilap qui sont organes d'église catholique défendre droit monde madame Jocelyne Colanoël dans interview par Radio Kiskeya, il parlait d'un manque de respect pour peuple haïtien. Les Jovenel Moïse invité deux étrangers vin parler à Kelly et puis faire proposition dans non loyal lorsque c'est menti c'est pas vrai c'est pas une délégation officielle défenseuse droit monde qui t'ai rencontré avec deux monsieur Sayo fait connait depuis et sous proposition yo te fait dans rencontre des gars avec yo qui parlait de élection qui pour faire dans 3 ans et puis et formation un gouvernement pour Kembe Jovenel Moïse et sous pouvoir malgré peuple haïtien levé campé pour exiger démission il dit était tout déjà ouais c'est pour Jovenel Moïse et il était venu c'est affaire il était venu régler et là de ambassadeur américain dans l'OEA et puis chef cabinet secrétaire général l'OEA il déclarait action ça vienne laguer l'huile sous du feu mobilisation côté levé campé a fait tout partout dans pays pour exiger démission Jovenel Moïse. N'apte de responsable Gilap la madame Jocelyne Colanoël, Namiko Lori Louis-Jeune. Par rapport avec tout ça, nous échangé avec eux, et puis le nom, ouais, et ça y a dit, on a pris le bras, on a pris le bras, et ça nous comprend, c'est plus parole président, il est parlé, au lieu, il était entendu, et différent à tel endroit, et puis pour être capable de prendre compte, et ça à tel autre. Là, on crée ce pays à la donne la journée aujourd'hui, et si c'est pas toute capacité, toute initiative qu'on prend, si c'est pas une initiative efficace ou problème réel, c'est lui qui a fait ce pays. Encore une fois, donc, que les marches, bon côté, mon saillot, non, tout à vous, ça là. Et puis après ça, nous avons qualité et parole aussi à la fin. L'éclair est engravé, il a continué à engraver situation au lieu de chercher, de chercher répondre, revendication au guéret et pour les pouvoirs solutions. Il y a déjà plusieurs expériences qui faites avec OEA qui est toujours un voisin qui est sous base d'invitation de joindre qui se tient dans le pays à venir, qui est eux-mêmes décidé pour le venir. Base parce que nous même tous nos membres d'organisation américaine c'est que ça a toujours pas pour des résultats parce que le pays a c'est un pays ouvert et c'est pas qu'à passer les problèmes qui est dans le pays a c'est toujours parce que on a des dirigeants qui refusent tendez qui refusent comprendre qui refusent de travailler dans l'intérêt population et qui fait toujours des bouleversements toujours à bien les évoquer et très souvent les positions organisations sérieuses c'est pas toujours position qui allait dans le sens intérêt population c'est plutôt position qui allait dans le sens dans le sens et dirigeants et ça va pas résultat. Ça va pas résultat. Donc, tout ce que vous avez appelé, non seulement nous croyons un manque de respect pour les pays, c'est un manque de respect pour les peuples haïtiens, mais tout est continué, refusé, accepté, et les peuples haïtiens capables de s'aligner, capables d'accord, capables d'accord, et pas d'accord, salis, pas d'accord. Donc, tout est refusé, accepté, que nous sommes des haïtiens, non capables de nous pas d'accord avec des gens qui plutôt apprennent les pays au lieu de protection pour capable de mener les pays à bien, tout le temps capable de rester d'accord, les Parisiens, pas d'accord, et pour dire que continuer à faire la pollution, tout le temps c'est injustice, tout le temps c'est gaspillage qui a fait, et bien donc, il y a toujours, ouais, nous, pays, il y a toujours une situation dans la bouleverse. Madame Jocelyne Colanoël, toujours dans l'interview ça, dit par Radio Kiskeya, il réagit sous crise qui a souqué pays. Pour lui-même, c'est pas seulement une crise politique. C'est une crise qui a pile dimension. Li politique, ben tout, li social, li économique, li humanitaire. Madame Colanoël, à la tête Gilles Laplan,
ouais très mal et le fait que autorité pas bon ici toujours après les étrangers au lieu chita ak petite terre dans société a pour joindre une solution par rapport à diverses crises pays a traversé. N'attendez une autre fois encore madame Jocelyne Cola Noël qui c'est responsable Jilap organe l'église catholique qui défend droit monde qui te parler comme ça dans micro Laurie Lujeune. Sous demande, en tout cas, nous avons eu des rencontres là, et c'était sous demande du président Kézia, qui m'a fait demander pour venir sur une bonne facilitation pour capable de faire une crise d'après eux-mêmes, qui est une crise politique qui est là. Même aussi, crise qui est là, pas seulement une crise politique, qui est une crise économique, qui est une crise sociale. Il peut plus passer seulement dans les questions soit faire politique. Alors échange là, décide de monter par les pas gros problèmes qui est là, il est à des bons gens, décision libre pour capable de chercher jeunes là, mais c'est toujours une sorte de décision, n'importe quelle décision qui a besoin de quoi il là, porter à faire à l'Europe, qui pour capable, prendre, capable de dire et qui pour capable faire. Ça qui doit être fait. En tout cas, tout ça, c'est partagé dans la rencontre. Et après ça, nous tenons effectivement que nous sommes devenus là. Il n'y a pas de mandat, conseil OEA pour nous devenir. Donc, c'est comme si c'est bien fait par nous, nous devenir. Alors, nous-mêmes, nous croyons tous, c'est dommage. Chaque fois, il y a une crise pendant le pays, au lieu et à terre, qui concerne directement la crise là. Yo cherche discuter avec l'autre acteur qui est dans la société à bouger une solution, yo préférez à passer chez mes couches, yo préférez à gaspiller l'argent, continuer à gaspiller l'argent, n'en faire l'autre, n'en acheter les mounes à l'extérieur pour soi-disant aider aux jeunes solutions pour le problème qui sont problématiques. Madame Jocelyne Cola Noël, sous situation politique payale, d'après une question, Laurie Lujeune. Une dirigeant secteur démocratique populaire et qui fait partie tout de groupe 4 sénateurs, nous connaissons qui empêché jusqu'à présent pour te joindre ratification déclaration politique générale, n'a parlé de Jean-Michel Lapin et sénateur Nenel Kassi. Sous délégation l'OEA que représentant Antigouac Barbuda, dans l'OEA dénoncé, il dit pas trop représenté organisation hémisphérique là et c'est un coup de pied que t'es venu faire pour rencontrer avec Zanmio et Jovenel Moïse et sénateur Nenel Kassi déclaré peuple haïtien grand monde tête li. Il dit délégation ça que t'es venu ça va veut dire rien du tout pour eux-mêmes. Il fait connait mobilisation pour joindre bout Jovenel Moïse sous pouvoir pas camper. Malgré tout gagné examen officiel qui a fait nous gagné fondamental semaine ça qui a levé là lundi après ça gagné examen baccalauréat. Il dit invité autant de déclarations sénateur Nenel Kassi dans cadre participation ni dans présentation document alternative ça pour une autre qualité l'état l'autre qualité pays. Il te parle comme ça, non, Miko, Gervens, Ricardo, Jean-Jacques. Non, nous pas non, oui, pas c'est pas m'di nous. L'en d'a fait indépendance, colon blanc, yo, pas de blé, nous indépendants. Yo, pas de blé, que nous prenons indépendance, nous. Et m'kwe jodi, ou l'autre fois encore, nous pas gagné pour nous obéir en bas dictat international, nous pas gagné pour nous obéir en bas dictat aucun monde qui va le changement, peuple haïtien. OEA, pas jamais aller dans l'intérêt du peuple haïtien. Et c'est dans ce sens que nous demandons pour tout le monde conformer, pour prendre engagement, pour permettre que le peuple haïtien sorte dans la situation. OEA a demandé pour nous camper sur la fin de mission, Jovenel Moïse. Crèque Tibet. Ah, il dit peuple haïtien, grand monde tête. Il va jamais prendre l'autre dans le monde. D'accord. Quel est le nom de la mobilisation là? Sans camper. Depuis côté, n'a pas là. Ok, d'accord. Mais sénateur, à partir de l'examen, examen, dans le pays. Oui, il faut que le composé, il faut que l'État prenne responsabilité. Mais mobilisation. L'État pour prendre responsabilité. Voilà, sénateur Nenel Kassi, dans le micro, plusieurs journalistes là-dedans, nous entendons dans le micro. Et collaborateur nous Gervens Ricardo Jean-Jacques c'est après présentation document ça nous déparlé ou de lui hier. Et puis gagné
président bloc majorité dans chambre député a député Kenskoff là Alfredo Antoine Junior qui veut jeter quelque sa proposition pour retirer pays dans crise qui a fait dans moment ça et pour mander craser parlement. L'interview by Radio Kiskeya jeudi a député Kenskoff là critiqué même opposition, il dit population te ba au canet dans dernière élection yo. Et côté c'est tête calé qui remporter la victoire donc il dit c'est coup d'état à PCF fait parlementaire amendé et opposition qui compte Jovenel Moïse chercher route pour aller dans élection pour capable remporter la victoire et président bloc majorité dans chambre député a une chambre qui dysfonctionnelle fait connaître constitution pas bail personne monde mandat pour yo capable craser parlement. N'attendez député Kenskoff là Alfredo Antoine Junior qui t'a parlé comme ça non micro dit de parle. Son opposition toujours à chercher tête li, OK parce que vrai problème yo, yo pas jamais attaquer yo parce que m'a sur plusieurs pays légué au pouvoir qui en place, l'ont pas d'accord avec ça qu'a fait. OK, dit ou dit mais qui meilleur faut t'a faire population si c'est ou même qui t'es au pouvoir. OK, donc on pas capable voir yo donc gardienne de la République qui est le Parlement haïtien pour mon dire que la dissoudre et constitution pas de droit à aucun monde. OK, même président de la République là n'a pas droit, il a une provision constitutionnelle pour la tourne au Parlement. Donc c'est pareil, c'est un groupe qui dans l'élection qui fait 0%, qui fait 1% que peuple a au canet et qui connaît que qui est clair que pas capable dans l'élection pour la remporter l'élection pour l'élection. Et qui voulait faire coup d'état. Tout le monde, coup d'état, pas inscrit dans la donne, nous sommes démocrates au niveau du bloc majoritaire. Nous sommes des démocrates, nous présentons devant le peuple en 2015. Nous avons l'élection, si le peuple n'a pas d'accord avec nous, mandat-nous à privé en terme, à terme, deuxième lundi de janvier, nous sommes échéances constitutionnelles pour l'élection. Donc, nous représentons devant le peuple, si le peuple n'a pas d'accord avec nous, nous n'avons pas d'accord avec nous. Que ce débat est mandat pour nous représenter. Mais après, nous sommes réunis, nous sommes l'hôtel, ok? L'hôtel, quatre sénateurs pensent que nous sommes capables au Parlement aller. Donc, si le parlementaire veut vendre mandat, c'est un homme d'affaires dans le pays qui a de gros contrats avec l'État, que on est pour place à arriver à terme et que l'État exécutif qui est en place n'a pas pour renouveler le bouillon, nous vendons mandat avec certains hommes d'affaires dans le pays. Donc, nous même mandat par nos majorités, nous ne sommes pas aucun monde qui est capable de faire avec mandat ou bien. Mettez fin avec le Parlement haïtien. Qui donc nous voyez jeter pour poser ce ça? Deux revers de main, ok? Les quatre sénateurs, c'est mon gouvernement. Je te voyais, descendant là, exécutif, je dis, on va prendre parce que pour la plupart des ministres, ils ont été censurés déjà, donc je ne vais pas retourner. Ils ont été exilés constitution. Constitution va chemin, comment pour amendement, faites pas d'un. Ok? L'Ibal, comment pour amendement? Tant que c'est constitution, ça, que le groupe majoritaire, là, que nous déprêtons servant sous lui, pas de aucun monde, aucun individu, aucun groupe de personnes réunis en bon pied pour un parc qu'on est ou bien au hôtel, dit que nous sommes capables. D'ailleurs, législature, pas dans la dernière session, nous avons même dit qu'il n'y a d'amender. Ok? Donc, comme collègue Thierry Tantier, qui était à présider la commission sahel, il faut nous présenter rapport de commission d'appel assemblée à bout de sanctionner. Mais par rapport à cette mobilisation de début, c'est quoi vos avis politiques là, surtout président Jovenel Moïse? Mobilisation qui est dans la rue, il y a pile jeune, je vais toujours dire, mais appuyer qui a fait des revendications qui juste Petro Challenger, mais qui quittait de politiciens qui ne connaissent pas aucun pour pouvoir embrasser question Petro Challenger, qui a fait des revendications qui juste pour que y ait un procès qui fait, pour que y ait un compte qui rentre sur question faux Petro Caribe, que nous a dynamisé, nous inscrivons nos questions d'un procès qui est équitable, qui juste, pour que quel que soit mon nom qui s'est impliqué dans la question faux Petro Caribe, il y a un compte. Et justice expéditive, c'est pas nous-mêmes qui avons fait justice, c'est pas nous-mêmes qui pourrions juger et institution qui placée pour ça, la justice qui doit faire lumière sur question responsable. Député Alfredo Antoine Junior qui remet en pile jeune Petro Challenger, mais c'est là que il peut commander pour Jovenel Moïse aller. Kounia, c'est manipulé à manipuler. À la tête Union nationale pour intégrité et réconciliation unie, Clarence Renoir, qui était candidat pour poste président de dernière élection, justement qui lui-même réagit favorablement à effort ça,
et qui a fait dans mi-temps de segments significatifs dans l'opposition. Par un qui parfait, c'est un terrain miné haïtien. Jean que nous connaissons, morcellement pays a c'est pas qu'un pas quelque soit organisation crasé miette monso. Donc un gros effort qui fait pour voir si yo capable ramasser et une partie significative pour présenter ça que justement pouvoir ensemble avec allié objectif yo et puis allié qui gagne tout partout qui a dénoncé par une alternative. C'est dans cadre ça j'ai fait ça fait. Alors Clarence Genois qui c'est un dirigeant politique qui était participé dans rencontre ça dans cadre élaboration proposition ça pour retirer Haïti dans crise sans pareil de plonger fait qu'on a un document ça pour lui-même il gagne pile valeur qui capable rider effectivement remembrer pays a et depuis que il respecté. Dans interview Liba Radio Kiskeya jodi an, dirigeant Union an lancé un appel justement by tout secteur pour mettre pression pour ça qui écrit dans document c'est lui-même qui pour appliquer qui cap permettre nous aller dans transition et pour nous remembrer pays parce que connaît généralement on écrit bel papier mais n'a pas jamais mettre en application. Et il dit tout pour faire effort pour tout monde dépasser tête yo dans ça qui concerne ego dans ça qui concerne suspicion et sempiternelle suspicion yo toujours gain contre l'autre. C'est ça qui fait que nous pas avancer à trouver à la tête union montrer nécessité pour gain chita parler qui fait selon lui-même ça est pas position tout et dirigeant organisation d'opposition ak Jovenel Moïse. Il dit pour montrer présence ni et ça le représenter comme danger pour pays d'Haïti c'est plus problème la pote. Bon nous connaissons dans reportage dans moi il dit pas tendo n'a tendé à la tête union Clarence Genois qui te parlé comme ça dans micro dit de pas d'abord nous même dans union nous analyser document et faut me dire pour Radio Kiskeya Union de participer dans la rencontre à l'invitation de parlementaires qui étaient invités nous participer, nous opiner, nous faire des conseils. Nous pensons que le document ça a apporté des éléments extrêmement intéressants pour nous construire, pour nous refonder pays à vraiment, et tout autant que le document ça a respecté. Et là, son appel, nous-mêmes, nous avons fait unir beaucoup de populations, beaucoup de tout un acteur politique et monde qui acteur dans la crise haïtienne, pour garder le document ça avec nos yeux d'analyste, pour nous voir valeur. Pour nous-mêmes, il n'y a pas de valeur, mais il faut que société civile là, mais aussi secteur politique et autres, mettez pression pour ça que la respecter. Si le respecter, moi, c'est que nous allons aller vers une transition qui permette que nous refondions le pays sous d'autres valeurs, mais surtout avec d'autres mondes. Parce que le document, dans le contenu, il y a des points extrêmement intéressants là-dedans, côté lui insister sur des critères qui doivent prévaloir pour choisir le monde qui pourra non seulement former sa une autorité nationale de transition, gouvernement de transition, premier ministre de transition, ou encore au président. Valeur, c'est que fok moun sa, c'est des moun qui honnêtes, qui intègrent, qui n'a rien aucun soupçon de corruption sous yo. Moi, je pense que ça, c'est une base pour nous capables de permettre que la société a sauté dans une crise pour construire et entrer dans une nouvelle ère de démocratie par la transparence et la bonne gouvernance. Mais par rapport à cette proposition, ça, vu l'insistance pouvoir, tu penses que c'est facile pour ta jeune départ président Jovenel sur pouvoir? Ça, c'est l'autre point. Moi, j'entendais, par exemple, dans la présentation de documents, que intervenant au dit ça, même, je dis, le président Jovenel allait s'il allait. C'est-à-dire qu'on a certitude, on doute sur le fait que l'État allait et qu'il a le bras allé. Maintenant, c'est vrai que la société a, dans un paquet d'institutions, rejeté le président, je pense qu'il fait partie de problèmes, non, je pense qu'il n'a pas capable de solution. Et là, oui, le président, je m'en dis, allez, tout a posé par une adhésion populaire, par une reconnaissance populaire, mais il est toujours n'importe quoi, le président Jovenel Moïse. Nous-mêmes, dans l'Union, nous avons valeur qui est cardinale à partir, hein, c'est ça nous est les valeurs de communication, valeurs de dialogue, de discussion. Et d'ailleurs, c'est l'essence démocratie, il faut nous parler avec tout le monde. Donc oui, nous pensons que le président Jovenel Moïse vient d'avoir ni contre on le faut y aller. Mais pour qui ça? Pour le bataille monde qui va le parler avec lui, tout qui pour insister sur le fait que la présence lui était le pays capable d'enfonder le pays, effondrer le pays à beaucoup plus toujours. Donc oui, nous pensons que nous sommes capables de faire ça pour le parler avec. Mais il y a mon mettre en tête que nous n'avons pas doué parler avec Jovenel Moïse du tout comme quoi. C'est la peste qu'on a de parler avec. Moi, je pense que pour nous toujours qu'il y ait des couloirs de discussion, de négociation, de dialogue, pour ça que arrivé loin de 2004 par arriver, mes amis, il faut que la société a tiré le son de l'histoire récente, nous, pour nous dire, nous, ça nous fait des marches, là, où il y a l'autre gens. Oui, c'est dirigeant union en Clarence Renoir. Quoi qu'il a parlé avec Jordan Moïse, mais il ne faut pas croire que
pas besoin un rien à parler avec parce que cerveau ça est formaté. Et même Jean monsieur Louis a été venir monde qui t'a rencontré moi m'était compte c'est à moi de me prendre vue pas besoin rencontrer du tout parce que rencontrer pas rencontrer ça pas changer rien ça dans tête tu as son seul bail besoin font photo avant ou seul bail besoin font image avant pour vous dire tu rencontré opposition tu t'es rencontré organisation qui a défendre droit monde tu rencontré société civile tu t'es rencontré représentant peuple haïtien olapalais.com mais c'est pas ça pas changer rien parce que yo gon gens yo déjà monté tête yo déjà préparé et c'est dans même situation et mental Jovenel Moïse dans disposition lorsqu'il dit la rencontrer monde c'est juste pour montrer image pour montrer image de rencontrer monde mais ça pas grand ken intérêt pour lui yon l'autre côté concernant visite délégation l'OEA te faire en Haïti qui pas de mandat selon ça ambassadeur Antigua ak Barbuda révélé à la tête union critiqué gouvernement haïtien qui obligé faire mentir pour faire venir une faux mission l'OEA dans le pays a Clarence Zona montré li regrette le l'a gardé pour voir qui gens politique a fait sous mentir sur la place publique li considérer ça comme une insulte et déclaration membre l'OEA ça yo qui dit yo pral mandé pour gagner une firme internationale qui vient garder rapport la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif fait sous Petro-Caribe comme quoi la Cour des comptes n'a pas qu'à faire bon rapport faut que nous dit tout Jovenel Moïse d'accord et il dit prêt pour la Washington pour la signer document ça et n'attendez Clarence Renoir dirigeant Union qui était parlé comme ça toujours dans micro dit d'opar. C'est dommage que nous obligés à agir sur le faux pour nous faire des actions. Et là, on parle avec le gouvernement en place là qui est obligé de faire une fausse mission à la Nations Unies en Haïti après pouvoir capitaliser sur lui. Mais vérité à révéler par un ambassadeur, organisation qui dit non, c'est pas une mission mandatée qui est venue en Haïti. Ça, c'est un premier aspect de question. Et c'est dommage que nous voulons faire politique sous menti seulement. Il n'est pas bon. On a trompé en société. Il y a un grand président et qui dit on peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper tout le temps une partie du peuple. Mais on ne peut jamais tromper le peuple à tout temps, tout le peuple à tout temps. Donc il faut nous qu'il ça comme des leçons pour ne pas faire des barrières qui ne sont pas bon. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, nous parlons de bon oeil, qu'au bon institution qui est les cours supérieurs des comptes, qui fait une enquête administrative sur ce travail, il reproche de ce que tu prends trop de temps pour le faire, il va faire l'attente, il y a trop de bagailles faites dans le pays. Quand il y a un rapport, il y a un résultat sous lui, pour nous dire, nous allons faire une firme internationale, il y a des cils, combien de cils pas bon. Ça, c'est une insulte que tu as fait à l'institution, à cours supérieurs des comptes et du contentieux administratif, mais aussi à jeune qui met des corps dans la rue qui expose pour demander pour l'État de transparence, pour une bonne gouvernance, pour mettre fin à la corruption, fin à l'impunité. Nous faisons qu'on a des voix peuple ça qui m'a dit qu'il faut bien compte qui fait qu'on y a le monde à gérer l'argent de l'État. Le parti de monde qui demande au règlement de compte pour dire que c'est persécution politique à faire sur vous-même. Et ça vaut pas seulement pour le monde qui n'a pas trop calibré. Et c'est ça qui fait valeur document de transition à proposer avec le parti politique dont l'Union était présent. C'est que n'y pas seulement qui sont de Petro Caribé, mais il faut aller dans la corruption en général. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous avez des dirigeants qui ont passé à pied pays à y aller, mais après ça, vous commandez au compte, vous toujours mettez le sous rubrique ou persécution politique. Nous pensons aujourd'hui à là, son combat qui peut faire contre la corruption en général, incluant évidemment prioritairement Petro Caribé, mais tout le monde qui a participé dans toute année passée, dans pillé pays, qui va jamais mettre l'argent, puis vous prenez l'argent. Peuple là, il gaspille, il prend pour bien personnel, il enrichit des avec le monde, ça, il faut que la justice soit alder, il y a un compte, et le monde, ça, il n'y a pas de droit, je ne veux dire là, pour aller diriger le pays, pour tomber dans la même question de corruption encore. Voilà, ce dirigeant union, Clarence Renoir, dans le micro, Didro Parent. Le KNVA, Confédération Nationale Vaudouisant Haïtien, qui paraît une note pour démentir. Il n'y a pas de parole, président, sous présence secteur vaudois. Kay Jovenel Moïse lundi qui se passe là. Grand servitora KNVA dit retirer chapeau pour saluer tout petit pays en général, particulièrement tout vaudouisant dans quatre coins pays d'Haïti ak l'autre bord de l'eau qui nan manye pa yo toujours a faire j'effort et pour kembe héritage ancêtre nou kite pour nous qui vinn bien nous tout qui c'est Haïti. Notre plan continue pour dire grand serviteur KNVA profiter occasion si là pour porter une rectification sous intervention monsieur Jude Charles Faustin te faire semblait c'est hier matin sous antenne radio Télé Caraïbes dans émission Grand Boulevard
notre langue a poursuivi qui est comme animateur vedette Bob C. Et côté, l'ITA parlé de rencontre avortée qui était doué faite dans la résidence Jovenel Moïse avec plusieurs secteurs, c'était lundi, dans la vie nationale là. Et puis, il parlait de représentants secteur vaudois qui était là dans la rencontre ça. Et d'après ça, grand serviteur à KNVA dit, n'a pas appelé pour l'opinion publique là, en général, et pour M. Faustin en particulier, secteur vaudou haïtien gagne un seul représentant qui porte titre Ati et actuel Atiyan qui est élu dans la dernière élection KNVA. Sout fait, jour qui était 13 mai 2019, là, il y aurait l'élu un grand Carl Henri Desmorne. Et il pat nan rencontre ça. Et qui vle di, secteur vaudou pat représenté selon KNVA. Il dit Jovenel Moïse était gain avec nan rencontre ça Augustin Saint-Cloud. Bon, Augustin Saint-Cloud lui-même c'est quoi c'est l'emploi lié, il pas dépasse il pas d'affaire de Atien et qui c'est un gant personnel Jovenel Moïse n'a pour reprendre et selon KNVA il dit oui Jovenel Moïse était gain avec lui joue ça Augustin Saint-Cloud qui c'est un gant personnel lui a conseiller mystique lui. Et il dit c'est un droit Jovenel Moïse gagne pour gagner un grand personnel li pour gagner conseiller mystique li mais c'est pas de secteur vos droits qui était avec n'a pas rappelé encore pour tout le monde l'Ati a pas capable d'empêcher c'est grand serviteur qui remplace l'. Et tout ça pour nous dire KNVA c'est institution qui occupait officiellement les affaires vodou avec vodouisant depuis l'année 2008 li pas marré nan pied table en ken nan trois pouvoirs l'état yo nan ken tab ambassade nan anken tab institution internationale et la trier pendant li toujours était l'ouvri pour parler discuter négocier ak yo orienter yo depuis c'est pour bien-être nation ak chaque grain vodouisant chaque fois gen nécessité pour ça KNVA toujours travaille pour changement condition la vie masse défavorisée yo et a toujours campé bon côté si la yo qui pi fait bio aï bobo et c'est madame Evonie Georges Auguste grand serviteuse qui signe pour KNVA notre ça qui fait révélation qui fait nous connaître Jovenel Moïse gon un grand personnel et qui c'est conseiller mystique et qui c'est Augustin Saint-Cloud attention n'importe pour qui t'attendait annonce ça depuis que t'as gain information numéro téléphone moi parle bail là s'il vous plaît relez là-dedans youn là-dedans yo c'est concernant un jeune garçon Philippe Peter Enin Jérôme qui gain 31 ans sous tête il disparaît depuis samedi 15 juin qui s'est passé là dans après-midi ça font semaine si on monde ta well ou bien t'as gain information qui concerne elle famille demander pour relez dans numéro ça 48 77 21 58 48 77 21 58 38 93 76 95 38 93 76 95 ou bien 48 42 74 09 ou bien 48 42 74 09 famille remercier tout monde qui capable bayo information sur Philippe Peter Enin Jérôme qui gagne 31 ans ça font semaine depuis famille n'a cherché olapalet.com. Voilà sénateur Nenel Kassi non micro plusieurs journalistes là-dedans nous entendez dans micro et collaborateur nous Gervens Ricardo Jean-Jacques c'est après présentation document ça nous déparler ou de lui hier. Et puis gagnant président bloc majorité dans chambre député à député Kenskoff là Alfredo Antoine Junior qui veut jeter quelque sa proposition pour retirer pays à dans crise qui a fait tant dans moment ça et pour mander craser parlement. Dans interview par radio Kiskeya jeudi, député Keskoflan critiqué même opposition, il dit population te ba au canet dans dernière élection yo et côté c'est tête calé qui remporté la victoire. Donc il dit c'est coup d'état à PCF fait. Parlementaire mandé et opposition qui compte Jovenel Moïse chercher route pour aller dans élection pour capable remporter la victoire. Et président bloc majoritaire dans chambre député a une chambre qui dysfonctionnel fait connait constitution pas bail personne monde mandat pour yo capable craser parlement n'attendez député Kinskoff là Alfredo Antoine Junior qui t'ai parlé comme ça non micro dit de parle
Ton opposition toujours à chercher tête li, ok, parce que vrai problème yo, yo pas jamais attaqué yo, parce que m'a sur plusieurs pays, les gars au pouvoir qui en place, l'ont pas d'accord avec sa cap fait. Faut qu'il dit ou dit, mais qui met en foutre à faire la population si c'est ou même qui était au pouvoir, ok? Donc, on pas capable de voir, donc, gardienne de la République, c'est le Parlement haïtien. Pour mon dit que, on va dissoudre les. Et la Constitution n'a pas de droit à aucun monde. Ok? Même le président de la République, là, il a des droits. Il a des provisions constitutionnelles pour la tour au Parlement. Donc, c'est pareil. C'est un groupe qui est dans l'élection, qui fait 0%, qui fait 1%, que le peuple a dit au canet, et qui connaît, que, qui est clair que le peuple capable dans l'élection, pour la remporter l'élection, pour l'élection, qui voulait faire coup d'État. Toute manœuvre, coup d'État, ben, pas inscrit dans la donne. Nous sommes démocrates au niveau du bloc majoritaire. Nous sommes des démocrates. Nous présentons devant le peuple en 2015. Nous avons l'élection. Si le peuple n'a pas d'accord avec nous, mandat à privé en terme, à terme. Deuxième lundi de janvier, nous sommes échéants constitutionnels pour l'élection. Donc, nous avons représenté devant le peuple. Si le peuple n'a pas d'accord avec nous, nous n'avons pas d'accord avec nous. Que ce débat est mandat pour te représenter. Mais à faire un groupe de monde réuni, deux chambres de le hôtel, ok? Le hôtel, quatre sénateurs pensent que nous sommes capables de brouiller au Parlement aller. Donc, si le parlementaire veut vendre mandat, c'est un homme d'affaires dans le pays qui a de gros contrats avec l'État, que vous connaissez pour place à arriver à terme et que l'État exécutif qui est en place n'a pas pour renouveler le bouillon, nous venons mandat avec certains hommes d'affaires dans le pays. Donc, nous-mêmes, mandat par nos majorités, nous ne sommes pas aucun monde qui est capable de faire avec mandat ou bien. Mette fin avec le Parlement haïtien. Qui donc nous voyait jeter une proposition ça? Deux revers de main, ok? Quatre sénateurs, c'est mon gouvernement. Je te voyais, descendant là, exécutif là. Je dis, on va prendre parce que pour la plupart des ministres, ils sont censurés déjà. Donc, je ne vais pas retourner. Je te exige la constitution. Constitution va chemin. Comment pour amendement fait pardon? Ok? Il parle comment pour amendement. Tant que c'est la constitution ça, que le groupe majoritaire là, que nous déprêtons servant sous lui, pas de aucun monde, aucun individu, aucun groupe de personnes réunis en bon pied pour un bac qu'on est ou bien au hôtel, dit que je suis capable. D'ailleurs, législature, pas dans la dernière session, nous comprenons que nous avons d'amender. Ok? Donc, comme collègue Jerry Tantier, qui était à présider la commission, il faut que nous présentions le rapport de commission de l'Assemblée pour le sanctionner. Mais par rapport à cette mobilisation de la début de, c'est quoi vous avez politique là, surtout pour président Jovenel Moïse? Mobilisation qui est dans la rue, il y a un pile jeune, je vais toujours dire, mais appuyer qui a fait des revendications juste Petro Challenger, mais qui quittait de politiciens qui ont pas aucun moyen pour pouvoir embrasser la question Petro Challenger, qui a fait des revendications qui juste pour que y ait un procès qui fait, pour que y ait un compte qui rentre sur la question faux Petro Caribe, que nous a dynamisé, nous inscrivons dans la question d'un procès qui est équitable, qui juste pour que tel que soit mon nom qui s'est impliqué dans la question faux Petro Caribe, il a un compte qui rentre. Et justice expéditive, c'est pas nous-mêmes qui avons fait justice, c'est pas nous-mêmes qui pourrions le juger, et institution qui placée pour ça, la justice qui doit faire lumière sur question responsable. Député Alfredo Antoine Junior, qui remet en pile jeune Petro Challenger, mais c'est là que je peux commander pour Jovenel Moïse aller. Qu'on y a assez manipulé à manipuler. À la tête Union nationale pour intégrité et réconciliation unie, Clarence Renoir, qui était candidat pour poste président de la dernière élection, justement, qui lui-même réagit favorablement à l'effort ça, et qui a fait dans le temps de segments significatifs dans l'opposition. Par un qui parfait, c'est un terrain miné haïtien. Jean que nous connaissons, morcellement paya, c'est pas qu'un pas quelque soit organisation crasé miette mosso. Donc un gros effort qui fait pour voir si yo capable ramasser une partie significative pour présenter ça que justement pouvoir ensemble avec allié objectif yo et puis allié qui gagne tout partout qui a dénoncé pas une alternative. C'est dans cadre ça j'ai force à fait. Alors Clarence Renoir qui c'est une dirigeant politique qui était participé dans rencontre ça dans cadre élaboration proposition ça pour retirer Haïti dans crise sans pareil de plonger hein. Fait qu'on a un document ça pour lui-même il a en pile valeur qui capable rider effectivement remembrer pays et depuis que l'y respecter.
Dans l'interview Libaye Radio Kiskeya jeudi, dirigeant Union a lancé un appel justement par tout secteur pour mettre pression pour ça qui est écrit dans le document, c'est lui-même qui pour appliquer, qui permet de nous aller dans la transition et pour nous remembrer le pays. Parce que nous, généralement, nous écrivons bel papier, mais nous ne pas jamais mettre en application. Et il dit tout pour faire effort pour tout pour dépasser tête yo dans ça qui concerne ego, dans ça qui concerne suspicion et sempiternel suspicion, yon toujours gain contre l'autre. C'est ça qui fait que nous pas avancer à tout. Oui. À la tête union montrer nécessité pour gain chita parler qui fait selon lui-même ça est pas position tout et dirigeant organisation d'opposition avec Jovenel Moïse. Il dit pour montrer la présence ni et ça le représente comme danger pour le pays d'Haïti, c'est plus problème la pote. Bon, nous connaissons. Dans le côté de Jovenel Moïse, il n'y a pas tant d'eau. Nous avons à la tête union, Clarence Renoir, qui te parle de ça dans le micro, dit de part. D'abord, nous-mêmes, dans l'Union, nous analysons le document et, comme dit, pour Radio Kiskeya, l'Union a participé à la rencontre à l'invitation de parlementaires qui étaient invités, nous participer, nous opiner, nous faire des conseils. Nous pensons que le document, ça a apporté des éléments extrêmement intéressants pour nous construire, pour nous refonder le pays, vraiment, et tout autant que le document, ça a respecté. Et là, son appel, nous-mêmes, nous avons fait unir beaucoup côté population, beaucoup côté tout un acteur politique et monde qui acteur dans la crise haïtienne, pour garder le document, ça, avec nos yeux d'analyse, pour nous ouais valeur pour nous même il faut pas qu'elle valeur mais il faut que société civile là mais aussi secteur politique et autres mettez pression pour ça que la respecter si le respecter moi c'est que nous cavaler vers une transition qui permette que nous refondions le pays là, sous d'autres valeurs mais surtout avec d'autres monde parce que le document dans le contenu il y a des points extrêmement intéressants là dans le côté il insiste sur des critères qui doivent prévaloir pour choisir monde qui pourra non seulement former ça une autorité nationale de transition gouvernement de transition, premier ministre de transition ou encore président. Valeur, c'est que faut que ça, c'est des gens qui sont honnêtes, qui intègrent, qui n'ont aucun soupçon de corruption sous eux. Moi, je pense que ça, c'est une base pour nous capables de permettre que la société a sauté dans une crise pour construire et entrer dans une nouvelle ère de démocratie par la transparence et la bonne gouvernance. Mais par rapport à cette proposition, ça, vu l'insistance pouvoir, tu penses que c'est facile pour ta jeune départ président Jovenel sur le pouvoir? Ça, c'est l'autre point. Moi, j'entendais, par exemple, dans la présentation de documents, que intervenant au dit ça, même, je dis, le président Jovenel allait s'il allait. C'est-à-dire, on a certitude, on doute sur le fait que l'État allait et qu'il œuvre aller. Maintenant, c'est vrai que la société a, dans un paquet d'institutions, rejeté le président, je pensais qu'il fait partie de problèmes, non, je pensais qu'il n'y a pas de solution, et là, oui, le président, je demandais l'aller, tout acte posé par une adhésion populaire, par une reconnaissance populaire, mais lui, toujours, n'importe quoi, le président Jovenel Moïse. Nous-mêmes, dans l'Union, nous avons là le petit cardinal à partir, hein, c'est ça nous est les valeurs de communication, valeurs de dialogue, de discussion. Et d'ailleurs, c'est l'essence démocratie, il faut nous parler avec tout le monde. Donc oui, nous pensons que le président Jovenel Moïse vient de la contre où on le faut y aller, mais pour qui ça? Pour ne pas avoir des gens qui va parler avec lui, tout qui pour insister sur le fait que la présence lui était le pays capable d'enfondre le pays, et fondre le pays a beaucoup plus toujours. Donc oui, nous pensons que nous sommes capables de faire ça pour parler avec. Mais il y a mon état de Dieu que nous ne pouvons pas parler avec Jovenel Moïse du tout comme quoi. C'est la peste qu'on a de nous parler avec. Moi, je pense que faut toujours qu'il y ait des couloirs de discussion, de négociation, de dialogue. Pour ça, que arrivé loin 2004 par arriver, mes amis. Il faut que la société attire le son de l'histoire récente, nous, pour nous dire, nous, ça nous fait des marches là où il y a l'autre gens. Oui, c'est dirigeant union en Clarence Noir. Quoi, il y a parlé avec Jordan Moïse, mais il faut pas croire que, on a besoin d'un rien à parler avec, parce que, c'est vous, ça a formaté. Et même Jean, monsieur Loréac est venu, moun qui t'a rencontré, moi, je m'étais compte, c'est à moi de me prendre vue. Pas de besoin de rencontrer du tout. Parce que rencontrer ou pas rencontrer, ça n'a pas changé un rien. Ça que dans la tête, tu as son seul bail, il y a besoin de faire une photo avant. Un seul bail, il y a besoin de faire une image avant. Pour vous dire, tu as rencontré opposition, tu as rencontré organisation qui a défendu le monde, tu as rencontré société civile, tu as rencontré représentant peuple haïtien. Mais c'est pas, ça n'a pas changé un rien. Parce que yon gens yon déjà monté, tête yon déjà préparé. Et c'est dans la même situation et mentale, Jovenel Moïse, dans la disposition. Lors elle dit la rencontrer moun, c'est juste pour montrer image. Pour montrer image de rencontrer moun. Mais ça n'a pas qu'un intérêt pour lui. Yon l'autre côté, concernant visite délégation l'OEA à faire en Haïti, qui pas de mandat, selon ça,
ambassadeur Antigua ak Barbuda révélé à la tête union nan critiqué gouvernement haïtien qui obligé faire menti pour faire venir une faux mission l'OEA dans pays a Clarence Zona montré li regrette l'a gardé pour voir qui gens politique a fait sous menti sur la place publique li considérer ça comme une insulte et déclaration membre l'OEA sa yo qui dit yo pral mandé pour gagner une firme internationale qui vient garder rapport la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif fait sous Petro-Caribe comme quoi la Cour des comptes n'a pas qu'à faire bon rapport faut que nous dit tout Jovenel Moïse d'accord et il dit prêt pour la Washington pour la signer document ça et n'attendez Clarence Renoir dirigeant union qui était parlé comme ça toujours dans micro dit d'opar. C'est dommage que nous obligés à agir sur le faux pour nous faire des actions. Et là, on va parler avec le gouvernement en place là, qui est obligé de faire une fausse mission à la Nations Unies en Haïti après pouvoir capitaliser sous lui. Mais vérité à révéler par un ambassadeur, organisation qui dit non, c'est pas une mission mandatée qui est venue en Haïti. Ça, c'est un premier aspect de question. Et c'est dommage que nous voulons faire politique sous menti seulement. Il n'est pas bon. On a trompé en société. Il y a un grand président et qui dit on peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper tout le temps une partie du peuple. Mais on ne peut jamais tromper le peuple à tout temps, tout le peuple à tout temps. Donc il faut nous qu'il y ait ça comme des leçons pour ne pas faire des barrières qui ne sont pas bonnes. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, nous parlons de bon oeil, qu'au grand institution qui est les cours supérieurs des comptes, qui fait une enquête administrative sur ce travail, il reproche de ce que tu prends trop de temps pour le faire, il va faire l'attente, il y a trop de bagailles faites dans le pays. Quand il y a les fonds rapports, il y a les résultats sous lui, pour nous dire, nous allons faire une firme internationale, il y a des cils, combien de cils pas bon. Ça, c'est une insulte que tu as fait à l'institution, à cours supérieurs des comptes et du contentieux administratif, mais aussi à jeune qui met des corps dans la rue qui expose pour demander pour l'État de transparence, pour une bonne gouvernance, pour mettre fin à la corruption, fin à l'impunité. Nous faisons qu'on a des voix peuple ça qui m'a dit qu'il faut bien compte qui fait qu'on y a le monde à gérer l'argent de l'État. Le parti de monde qui demande au règlement de compte pour dire que c'est persécution politique à faire sur vous-même. Et ça vaut pas seulement pour le monde qui n'a pas trop caribé. Et c'est ça qui fait valeur document de transition à proposer avec le parti politique dont l'Union était présent. C'est que n'y pas été seulement qui sont de Petro Caribe. Mais il faut là aller dans la corruption en général. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des dirigeants qui ont passé à pied et puis y aller. Mais après ça, le commandé au compte, il y a toujours mis le sous rubrique ou persécution politique. Nous pensons aujourd'hui à là, son combat qui peut faire contre la corruption en général, incluant évidemment, prioritairement, Petro-Caribé, mais tout le monde qui a participé dans toute année passée, dans pied et pays, qui va jamais mettre l'argent, puis prendre l'argent. Peuple là, il gaspille, il prend pour bien personnel, il enrichit des avec le monde, il faut que la justice soit alder, il y a un compte, et le monde n'a pas gagné droit, je ne veux dire là, pour aller diriger le pays, pour retomber dans la même question de corruption encore. Voilà, ce dirigeant union, Clarence Renoir, dans le micro, Didro Parent. Le KNVA, Confédération Nationale Vaudouisant Haïtien, qui paraît une note pour démentir une porte-parole présidence sous présence secteur vaudois. Kay Jovenel Moïse lundi qui se passe là. Grand servitora KNVA dit retirer chapeau pour saluer tout petit pays en général, particulièrement tout vaudouisant dans quatre coins pays d'Haïti ak l'autre bord de l'eau qui nan manye pa yo toujours a faire j'effort et pour kembe héritage ancêtre nou kite pour nous qui vinn bien nous tout qui c'est Haïti. Notre plan continue pour dire grand serviteur KNVA profiter occasion si là pour porter une rectification sous intervention monsieur Jude Charles Faustin te faire semblait c'est hier matin sous antenne radio télé Caraïbes dans émission Grand Boulevard notre plan rapproché qui gain comme animateur vedette Bob C et côté li t'a parlé de rencontre avortée qui t'est doué faite dans résidence Jovenel Moïse avec plusieurs secteurs c'était lundi dans la vie nationale là et puis il parlait de représentants secteur vaudois qui était là dans rencontre ça et d'après ça grand serviteur à KNVA dit n'a rappelé pour l'opinion publique là en général et pour monsieur Faustin en particulier secteur vaudou haïtien gagne un seul représentant qui porte titre ati et actuel atien qui est élu dans dernière élection KNVA sous fait jour qui était 13 mai 2019 là il relait un grand Karl Henri Desmorne et il pat nan rencontre ça et qui voulait dire secteur vaudois pas représenté selon KNVA il dit Jovenel Moïse était gain avec
nan rencontre sa, Augustin Saint-Cloud. Augustin Saint-Cloud lui-même c'est quoi c'est l'emploi lié, il pas dépasse il pas d'affaire de Atien et qui c'est un grand personnel Jovenel Moïse n'a pour reprendre et selon KNVA il dit oui, Jovenel Moïse te gain avec lui joue ça Augustin Saint-Cloud qui c'est un grand personnel lui a conseiller mystique lui. Et il dit c'est un droit Jovenel Moïse gagne pour gagner un grand personnel lui pour gagner conseiller mystique lui. Mais c'est pas de secteur vos droits qui était avec. N'a pas rappelé encore pour tout le monde, l'Éati a pas capable d'y empêcher, c'est grand serviteur qui remplace elle. Et tout ça pour nous dire KNVA c'est institution qui occupait officiellement affaires vodou avec vodouisant depuis l'année 2008. Li pas marré nan pied table en ken nan trois pouvoirs l'état yo. Nan ken tab ambassade nan an ken tab institution internationale et la trier pendant li toujours était l'ouvri pour parler discuter négocier ak yo orienter yo depuis c'est pour bien-être nation ak chaque grain vodouisant chaque fois gen nécessité pour ça KNVA toujours travaille pour changement condition la vie masse défavorisée yo et a toujours campé bon côté si la yo qui pi faible yo ay bobo et c'est madame Evonie Georges Auguste grand serviteuse qui signe pour KNVA notre ça qui fait révélation qui fait nous connaître Jovenel Moïse gon un grand personnel et qui c'est conseiller mystique li et qui c'est Augustin Saint-Cloud. Attention, n'importe qui qui t'attendait annonce ça depuis que t'as gagné information numéro téléphone moi pas le bail là s'il vous plaît relez là-dedans une là-dedans yo. C'est concernant un jeune garçon Philippe Peter Enin Jérôme qui gagne 31 ans sous tête, il disparaît depuis samedi 15 juin qui s'est passé là dans après-midi ça font semaine. Si on monde ta well ou bien t'as gagné information qui concerne elle, famille demander pour relez dans numéro ça 48 77 21 58. 48 77 21 58 38 93 76 95 38 93 76 95 ou bien 48 42 74 09 ou bien 48 42 74 09 famille remercier tout monde qui capable bayo information sur Philippe Peter Enin Jérôme qui gagne 31 ans ça font semaine depuis famille n'a chercher Trans journal ça c'est Nissan BNC, Accordia Shipping, qui te potel pour. Très bon week-end sur Kiskeya. Olapale.com. Merci d'être qu'on fait Radio Kiskeya confiance pour informer concernant examen officiel qui a commencé lundi. Nous avons tout un débat puisque la fête dans conjoncture, côté de crise politique. Gen en pile parole qui a parlé qui rappelait tout événement que t'es gagné dans pays d'Haïti et depuis après 86 côté bon depuis même avant 86 sous Duvalier les événements étaient passé dans Gonaïve côté que l'école était fermée bon on l'autre fois encore chaque fois l'école là toujours victime et collatéral et c'est ça et surtout et tendance conservatrice et en pile fois réactionnaire yo qui pas jamais penché sous problème équité partage réel de richesse sociale là dans question éducation pour tout petit moun yo au moins pour ta éliminer à faire classe dans question l'école les tout petit moun gen accès à même qualité éducation yo gen accès à même qualité professeur dans même condition non ça pas préoccupé et alors que comment moun d'aka parler pour petit moun à l'école quel que soit son gain tout moun toujours d'accord c'est you aspect qui très fédérateur dans la vie et tout peuple pour ti moun à l'école pour ti moun nan grandi bien pour jeune santé mais en même temps faut nous dénoncer hypocrisie qui gagne tout parce que je ne veux d'amoun qui dit oh faut ti moun yo al examen mais pendant toute année à l'école pi fois l'école l'état pas fonctionner par me dire hein pi fois l'école l'état pour qui ça refermer pas gè professeur professeur pas touché professeur pas nommé. Il a fait manifestation, il a venu dans les médias, nous recevons plusieurs délégations, sorti tout partout dans le pays, il n'y a pas jamais de réponse. Et mon jour de jeudi, qui a servi à question examen d'État, il n'y a pas de souci pour tout le monde qui qualité et formation rejoignent, parce que si tout le monde fait toute année, il n'y a pas de professeur, ou bien c'est de façon à l'isène, pas chimon, est-ce que tout le monde a la même chance à l'autre petit monde
qui chita dans l'école pendant toute année le professeur qui a fait coup pour lui. Justice sociale là, c'est là pour commencer. Mais nous connaissons, il y a tout fait débat hypocrite. C'est même Jean-Léa Abdo, oui, depuis 86, il y a peut-être dit, il faut que le gouvernement aille. Il y a un peuple qui vient éclairé, qui compte ça l'a cherché, l'a toujours campé. Depuis le ouais qu'il y a passé dans la bêtise, il y a cassé pour y être, il y a pillé, il y a pris tout ça, chaque fois qu'il rencontre l'équipe volée, ça, c'est pour camper en face, justement pour le mettre à terre, pour chercher l'autre monde. Pas gen anken moun ki gen solution définitive pa, et pas de ça n'a pas de là mais nous dit que nous faut empirer ouais et dans yo faut que corriger et puis faut que nous tenter chance nous parce que la vie même qui comme ça faut que prend l'autre chance faut que essayer l'autre et l'autre formule c'est ça qui a fait la journée jeudi c'est ça qui l'idée qui fait qu'apparaître là qui pour moi même c'est dans début l'idée ça nous est seulement mais qui exprimait un problème fondamental peuple haïtien qui rive li bouke l pa capable encore ak situation ça. C'est très bien pour nous faire débat sur question éducation, mais c'est pas là le problème côté ti moun pral victime collatéral tant qu'on a dans la question examen vraiment. Mais c'est depuis avant pour nous poser problème même j'ai propre petite panne qui sorti dans vente nous. Pour nous dire mes amis, faut que tout ti moun yo gen même accès à même éducation. Faut que nous montrer souci ça pendant toute année parce que nous connaît à $90 par an. Et gens que régime tête calé a te préval et nous pas même quoi au bail $1.50 dans la diaspora ou pas fouti qu'a fait une école de qualité pour petit monde première injustice sociale comment pour petit monde n'a fait pour l'école pour la payer chaque mois alors que parents pas lever ni louer les gens alors que c'est parfois les petits comme qui tombent dans main et bien c'est tout problème ça proposer est-ce qu'on ca payer l'école pour petit monde a valer à payer l'école c'est pour gagner bon gens l'école de qualité l'école publique. Faut que on ait bon gens l'hôpital public. Et bien c'est débat ça nous pas vle faire. Et puis nous toujours engouffrer nous dans ça plus facile pour nous, bon hypocrite. Olapale.com. Gen Fédération l'école protestante d'Haïti FEPH qui lance un appel pour examen l'état 2019 yo rivé fête dans notre ça qui pote date hier 21 juin. Yo dit depuis 10 juin activité l'école yo yo en bas gros bouleverse avec mouvement protestation contre gouvernement qui a fait tout partout dans pays qui mandé démission Jovenel Moïse l'école yo yo obligé fermer porte yo en bas pression et dans bouche ou bien physique l'école yo obligé rete ti moun yo rete la caillou et donc élève l'école yo rete la caillou famille yo et pendant plusieurs jours côté pas gain cours et puis yon l'école et gagnon l'école de te commencer mettre du feu la donne et c'est en tout c'est bilan et 2 semaines mobilisation populaire qui gen conséquences pas ka calculer et à la fois pour système éducatif haïtien qui déjà faible et puis côté timouno subi choc yo traumatisé qui pas gen temps pour yo capable recamper sous pied yo concernant même situation ça yo te vivre déjà dans mois février qui se passé là ak novembre 2018 et a pas et inconvénient ça yo qui majeur gen certains ti moun yo la gen la caillou pour compte parce que parents yo pas de prévoir yo t'a gen vacances avant l'heure c'est toujours notre la k'a parler si élève 9e année ou élève terminal yo a fait dernier effort pour qu'al dans examen officiel l'autre yo yo année l'école yo vinn picoute parce que yo obligé annuler examen et 4e contrôle et qui te gain pour faire à cause conjoncture politique ça qui sous la graba qui forçait administration l'école yo prend mesure exceptionnelle pour protéger timoun yo et puis avec une situation précaire qui gagne en question sécurité. Cependant, genre de mesure ça yo bien que nous capable comprendre yo, yo capable préjudiciable et si pas gain accompagnement nécessaire et pour et avec des équipes pédagogiques pour certains élèves l'école qui te gain résultat l'école yo qui t'es déjà pas de bon dans trois premiers contrôles année l'école là et FEP dit il gain gros tête chargé dans ça qui concernait disposition ça yo qui est fait pour gagner sous promotion certains élèves qui t'a dû passer sorti dans classe al non l'autre classe supérieure malgré toute alerte yo toujours bail bon côté autorité dans éducation à communauté éducative dans pays a FEP regrette pas gain quelle disposition dans chapitre éducation qui j'aime adopter pour permettre timouno profiter de valeur jour l'école
yo gen selon calendrier l'école là. Cependant, FEP dit li content le fait que le ministère éducation nationale kembe date examen yo et li interpeller ministère éducation nationale ak formation professionnelle pour créer conditions nécessaires pour capable gagner possibilité pour examen ou bien passer. Dans sens ça, Fédération l'école protestante d'Haïti yo mandé pour équipe pédagogique yo faire tout ça capable pour encadrer gens capable élèves qui concernés yo et dans question évaluation nationale pour faire année l'école là. Pour population en général faciliter participation élèves qui prennent examen yo, là yo éviter toute action qui capable et mettre timoun yo nan problème en danger les a déplacer candidat yo et puis avec fonctionnement régulier centre examen yo pour quitter pas bouleverser yo et puis pour tout monde qui impliqué dans crise là pour même y aller plus loin que tête yo pour permettre que élèves yo fini année l'école yo et passer examen yo dans date que ministère a prévoit et ministre éducation nationale là Pierre José Agenor Cadet pour servir à position en tant que ministre pour sensibiliser gouvernement sous nécessité pour une solution pressé dans crise sociopolitique pays a vivre quoi là qui menaçait fonctionnement normal l'école yo dans pays a ak fondement même nation haïtienne pour nous connaître ministre son ministre qui non gouvernement démissionnaire et tout bureau l'état fermé depuis plusieurs jours et pas de gouvernement tout journée jeudi a plus que en vent respect temps pour ti moun apprendre c'est un facteur important pour qualité éducation qui c'est une nécessité dans ça qui concerne engagement toute force qui gagne dans pays a dans intérêt supérieur ti moun yo et c'est Guilbo Saint-Cyr président conseil administration à Christian Saint-Fort directeur exécutif et fédération l'école protestante d'Haïti qui signe notre ça. Et puis toujours dans le domaine éducation, CNEH dit doit gagner une éducation qui même pour tout petit monde dans transparence avec unité côté a gagner l'école publique de qualité, c'est position ça conférence nationale éducateur et haïtien CNEH et qui dit la défendre comme alternative dans consensus pour remettre pays à camper sous pied, gens opposition présenté by nation pendant la intervenu hier dans cadre présentation document alternatif ça après Jovenel Moïse fin démissionné secrétaire général en après secrétaire général actuel CNEH madame Magali Georges fait un plaidoyer en faveur yon bon jan qualité éducation égal égo pour tout petit monde tout partout dans pays n'attendez secrétaire général CNEH qui t'ai parlé comme ça nan micro Gervens Ricardo Jean-Jacques ensemble et 741. Donc nous sommes contents de recevoir appel et sénateur pour demander consultation. Et là, nous sommes allés dans la consultation, nous avons un document et nous n'avons pas réagi sur lui. Nous avons travaillé sur lui, nous avons regardé côté éducation en un document ça. Donc c'est comme ça que nous allons travailler, nous avons des points de vue. L'un des allants à TBC, heureusement, nous avons trouvé moins d'une des dix, nous avons trouvé en majeure partie, même si tout part. Donc c'est comme ça que nous sommes là. Je dis à l'autre collègue dans la salle là, pour nous, nous assumer responsabilité nous en dans le document ça. Parce que nous-mêmes, comme syndicalistes, nous pouvons, pour nous exercer, pouvoir nous, comme membres de la société civile, il faut un espace démocratique, il faut une transparence, bonne gouvernance là. Et ce n'est pas le cas qu'on y a, c'est que vous faites ça. Nous venons endosser ce document ça, nous venons prendre responsabilité nous, comme acteurs de la société civile pour une bataille pour désormais. Parce que, et Major Gabriel Sylvain, sinon, pour qui ça nous là qu'on y a, là, on a parlé de unité. C'est parce que nous avons un système éducatif qui va jamais là pour tout le monde. C'est parce que l'école là pas divisé Timonio, l'école pour chaque catégorie citoyenne. Nous-mêmes, nous là pour un dans nouveau projet qui a pour payer, pour désormais pour nous parler de l'école publique de qualité, l'école dans le quartier Timonio, tout le monde, pour tout le monde, pour conseiller apprendre à jouer dans l'école ensemble, apprendre manger ensemble, apprendre séparer manger ensemble, apprendre c'est tout ça. Voilà, c'est à la tête CNEH, secrétaire général CNEH, Confédération nationale éducateurs haïtiens. Et qui c'est madame Magali Georges qui t'a parlé comme ça c'était hier dans l'occasion de présentation de documents alternatifs pour recamper PIA après Jovenel Moïse finalé qui t'a fait déclaration ça dans micro collaborateur nous Gervens Ricardo Jean-Jacques
président américain Donald Trump a annoncé journée jeudi à camper sous décision il était annoncé le tap pour expulser plusieurs familles qui trouvaient eux illégal dans pays États-Unis. Opération selon fuite qui vient dans la presse qui était supposé commencer demain matin dans plusieurs grandes villes américaines, mais il dit il camper pour permettre gagner un accord bipartisan avec les deux partis et démocrates et républicains sous dossier immigration. Et président américain annoncé lui reporter et décision ta prend sous demande opposition démocrate là pour te vague et famille qui illégale il t'a pas déporter dans pays États-Unis à partir de demain dimanche là dans une douzaine grandes villes américaines. Mon reporter pour deux semaines processus ça pour voir immigrants illégaux retourner la caillou pour moi si démocrate et républicain a privé joindre ensemble une solution à problème question asile sous frontière sud pays. Et si c'est pas ça, bon, connaît Trump, et c'est dans tout qui te dit ça, n'a pimpé tout pour tourner la caillou, d'après ça, dit comme menace, et il fait de lutte contre l'immigration illégale là, une marque fabrique présidentiel, il était promet lundi, et devant partisanio, c'était pas bon et pas ma quoi, mais plusieurs millions de monde, il a dit, t'as commencé à déporter, ça qui te fait, en pile partisanio, t'es content dans Orlando. Il y a plus que 144 000 migrants déjà arrêtés, administration Trump là. Ils ont retourné la caillou dans la frontière sud pays, alors que avant ça, c'était 20 000 yotéye dans le premier mois présidentiel. Les expulsés des familles comme ça, Trump souhaitait pour voir un message pour dissuader tout le monde dans la zone là pour pas prendre route direction États-Unis et sans papier. Mais l'Elté annonce plusieurs millions d'expulsions. La veille, lancement campagne et électorale, tout le monde pensait. Et c'est sûr, un cher étape fait communication politique, parce que je dis c'est impossible d'avoir fait ça. Et annonce ça, cependant, tu accélères préparation en dedans service immigration yo, et pour te déporter en pile monde. Et à partir de dimanche, dans plusieurs grandes villes, d'après ça, de médias comme Washington Post ou bien CNN, et annoncé, il parlait de plus que 2000 familles qui étaient visées dans des villes comme New York, Chicago, Miami. Bien Houston et samedi jeudi a élu plusieurs villes et fait connaître que yo pas coopérer avec Trump et puis défenseur droit moun droit migrant tout yo commencé à bailler migrant famille ça au conseil pour permettre de chapper en bas la police. Donald Trump a dénoncé comportement ça, il dit ce qui a encouragé criminalité dans pays ya, parce que la similé immigré à criminel yo vini ici là illégalement dans pays nous et nous a faire sortir légalement et nous même n'a voyé retourner la caillou d'après ça il te dit non une question la presse te posé si élève 9e année ou élève terminal yo a fait dernier effort pour qu'elle dans examen officiel. L'autre, il y a année l'école, il y a une picoute parce que il est obligé annuler examen et quatrième contrôle et qui était gain pour faire à cause conjoncture politique ça qui sous la graba qui forçait administration l'école yo prend mesure exceptionnelle pour protéger timoun yo et puis avec une situation précaire qui gagne en question sécurité. Cependant, genre de mesure ça yo bien que nous capable comprendre yo yo capable préjudiciable et si pas gain accompagnement nécessaire et pour et avec des équipes pédagogiques pour certains élèves l'école qui te gain résultat l'école yo qui te déjà pas de bon dans trois premiers contrôles année l'école là et FEP dit et gain gros tête chargé dans ça qui concernait disposition ça yo qui est fait pour gain sous promotion certains élèves qui t'a dû passer sorti dans classe al non l'autre classe supérieure. Malgré toute alerte, yo toujours bail bako autorité dans éducation ak communauté éducative dans pays a fait regrette pas gain ken disposition dans chapitre éducation qui j'aime adopter pour permettre timoun yo profiter de valeur jour l'école yo gain selon calendrier l'école là. Cependant, FEP dit li content le fait que le ministère éducation nationale kembe date examen yo et li interpeller ministère éducation nationale à formation professionnelle pour créer conditions nécessaires pour capable gagner possibilité pour examen ou bien passer. Dans ce sens ça, Fédération l'école protestante d'Haïti mandé pour équipe pédagogique yo faire tout ça capable
pour encadrer gens capables élèves qui concernés et dans question évaluation nationale pour faire année l'école là pour population en général faciliter participation élèves qui prennent examen yo là éviter toute action qui capable et mettre timoun yo dans problème en danger les a déplacer candidat yo et puis avec fonctionnement régulier centre examen yo pour quitter pas bouleverser yo et puis pour tout monde qui impliqué dans crise là pour même y aller plus loin que tête yo pour permettre que élèves yo fini année l'école yo et passer examen yo dans date que ministère prévoit et ministre éducation nationale là Pierre José Agenor Cadet pour servir à position en tant que ministre pour sensibiliser gouvernement sous nécessité pour jouer une solution pressé dans crise sociopolitique pays a vivre quoi là qui menaçait fonctionnement normal l'école yo dans pays a ak fondement même nation haïtienne pour nous connaître ministre son ministre qui non gouvernement démissionnaire et tout bureau l'état fermé depuis plusieurs jours et pas de gouvernement tout journée jeudi a plus que en vent respect temps pour ti moun apprendre c'est un facteur important pour qualité éducation qui c'est une nécessité dans ça qui concerne engagement toute force qui gagne dans pays a dans intérêt supérieur ti moun yo et c'est Guilbo Saint-Cyr président conseil administration à Christian Saint-Fort directeur exécutif et fédération l'école protestante d'Haïti qui signe notre ça. Et puis toujours dans le domaine éducation, CNEH dit doit gagner une éducation qui même pour tout petit monde dans transparence avec unité côté a gagner l'école publique de qualité, c'est position ça conférence nationale éducateur et haïtien CNEH et qui dit la défend comme alternative dans consensus pour remettre pays à camper sous pied. Jean opposition présenté by nation pendant la intervenu hier dans cadre présentation document alternatif ça après Jovenel Moïse fin démissionné secrétaire général en après secrétaire général actuel CNEH madame Magali Georges fait un plaidoyer en faveur yon bon jan qualité éducation égal égo pour tout petit monde tout partout dans pays n'attendez secrétaire général CNEH qui t'ai parlé comme ça et nan micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Bon, ensemble et 741. Donc nous sommes contents de recevoir appel et sénateur pour demander consultation. Et là nous allons la consultation nous et jeune document et nous devons pas réagir sur lui. N'a pas travailler sur lui, nous va regarder côté à éducation en dans document ça. Donc c'est comme ça nous allons te travailler nous des points de vue. L'année allant à c'est heureusement nous avons trouvé moins d'une des dix, nous avons trouvé en majeure partie, mais c'est toute part. Donc c'est comme ça, nous-mêmes, nous, là, je dis à l'autre collègue dans la salle, pour nous, nous assumer responsabilité nous en dans le document ça. Parce que nous-mêmes, comme syndicalistes, nous pouvons, pour nous exercer, pour voir nous, comme membres de la société civile, il faut un espace démocratique, il faut une transparence, bonne gouvernance, là. Et ce n'est pas le cas qu'on y a, c'est que vous faites ça. Nous venons endosser ce document ça, nous venons prendre responsabilité nous, comme acteurs de la société civile, pour une bataille pour désormais. Parce que, et Major Gabriel Sylvain, sinon, pour qui ça nous là, qu'on y a, là, on a parlé de unité. C'est parce que nous avons un système éducatif qui va jamais là pour tout le monde. C'est parce que l'école là pas divisé Timonio, l'école pour chaque catégorie citoyenne. Nous-mêmes, nous là pour un nouveau projet qui a pour payer, pour désormais pour nous parler de l'école publique de qualité, l'école dans le quartier Timonio, tout le monde, pour tout le monde, pour conseiller apprendre à jouer dans l'école ensemble, apprendre manger ensemble, apprendre séparer manger ensemble, apprendre c'est tout ça. Voilà, c'est à la tête CNEH, secrétaire général CNEH, Confédération nationale éducateurs haïtiens. Et qui c'est madame Magali Georges qui t'a parlé comme ça c'était hier dans l'occasion de présentation de documents alternatifs pour recamper PIA après Jovenel Moïse finalé qui t'a fait déclaration ça dans micro collaborateur nous Gervens Ricardo Jean-Jacques président américain Donald Trump a annoncé journée jeudi à camper sous décision il était annoncé le tapre pour expulser plusieurs familles qui trouvait eux illégal dans pays États-Unis, une opération selon fuite qui vient dans la presse qui était supposée commencer demain matin dans plusieurs grandes villes américaines, mais il dit il campait pour permettre gagner un accord bipartisan avec les deux partis, démocrates et républicains sous dossier immigration.
et président américain annoncé lui reporter et décision ta prend sous demande opposition démocrate là pour te vague et famille qui illégale il t'a pas déporter dans pays États-Unis à partir de demain dimanche là dans une douzaine grandes villes américaines. Mon reporter pour deux semaines processus ça pour voir immigrants illégaux retourner la caillou pour moi si démocrate et républicain a privé joindre ensemble une solution à problème question asile sous frontière sud pays a. Et si c'est pas ça bon connaît Trump et c'est dans tout qui te dit ça n'a pimpé tout pour retourner la caillou d'après ça dit comme menace et du fait de lutte contre immigration illégale là une marque fabrique président il te promet lundi et devant partisanio c'était pas bon et pas ma quoi mais plusieurs millions monde il a dit t'as commencé à déporter ça qui t'est fait en pile partisanio t'es content dans Orlando il y a plus que 144 000 migrants déjà arrêté administration trop là ils ont retourné la caillou dans frontière sud pays alors que avant ça c'était 20 000 l'été dans premier mois présidentiel les expulsés des familles comme ça Trump souhaitait pour envoyer un message pour dissuader tout le monde dans zone là pour pas prendre route direction États-Unis et sans papier mais l'elle annonce plusieurs millions expulsions la veille lancement campagne et électorale tout le monde pensait et c'est sûr un cher étape faire communication politique parce que dit c'est impossible d'en faire ça et annonce ça cependant accélérer préparation en dedans service immigration yo et pour te déporter et en pile moun et à partir de dimanche dans plusieurs grandes villes d'après ça de médias tant que Washington Post ou bien CNN et annoncé parler de plus que 2000 familles qui étaient visées dans des villes tant que New York, Chicago, Miami ou bien Houston et samedi jeudi a élu plusieurs villes et fait connaître que yo pas coopérer avec Trump et puis défenseur droit moun droit migrant tout yo commencé à bailler migrants famille ça au conseil pour permettre échapper en bas la police. Donald Trump a été dénoncé comportement ça, il dit ce qui a encouragé criminalité dans pays là parce que la similé immigrants à criminel, yo vini ici là illégalement dans pays nous et nous a faire sortir légalement et nous-même n'a voyé retourner la caillou d'après ça il te dit non une question la presse te posé. Paul-la-palais.com. Robert Dieudonné, dirigeant Mokrena, qui c'est ancien député Gonaïve, là, a répondu à une question à Beethoven François Fils sous conjoncture politique. Là. Politique, économique, sociale, culturelle, même religieuse. Pays a dégradé de jour en jour. Parce que tant de problèmes qui pas bien adressés, nous ne sommes pas capables d'attendre que la résoudre, nous devons attendre à dégradation. Et c'est ça qui vivait jour en jour aujourd'hui à la. Et pourquoi nous, du gouvernement, nous très réalistes, nous très confiants dans un avenir radieux du pays. Ça va passer dans le pays, nous sommes découragés. Mais nous devons nous réjouir du fait que nous ayons face dans un projet politique pour restauration de la nation. Parce que nous disons que tout le pays a effondré, toute institution a effondré. Thank you.
arrive et on va voir sur le ministère. Nous avons tiré de conclusion qu'il est incompétent, qu'il est incapable. On va y avoir un exemple. On solution, on veut tout rapide avec lui, mais par exemple, on va y réduire pas. C'est ça qui est sur le dialogue. Chaque fois qu'il y a une grande contestation qui secoue les humains, sans l'engagement que le président nouvelle pour donner ce dialogue. Dialogue avec les États-Unis, dialogue avec avec le maire. Je vous gagne sous proposition pour opposition hein, sous alternative politique pour remplacer Jovenel Moïse. Yo te chita, yo te tamé différentes consultations avec diverses forces politiques dans le pays. Yo accouché, yon bagay. Et qui coûte je vous gagne l'après Jovenel Moïse? Jusqu'à maintenant, on ne voit pas que l'opposition est totalement consensuelle. Dans la mesure où vous pouvez montrer la réponse. Un groupe dans le parti politique a fait réflexion, et c'est pas un groupe formel, un groupe structuré, vous voyez, qui est hiérarchisé, mais il n'y a pas un groupe de temps, puisque maintenant, depuis le gouvernement, on vous a répondu à votre politique, régulièrement, nous avons fait réflexion. Et pour ça, lui-même, il m'a fait une position, il a fait position, il parle. Mais nous avons fait une position, et globalement, nous d'accord à cette position, et on va parler de lui là. Et nous gagnons plus de raisons. Nous avons des raisons. Ce sont les raisons majeures. C'est aller dans l'institution, c'est la Cour de cassation, où nous désignons un président intérimaire, un président provisoire. Ça, c'est un gros problème d'ailleurs. Nous connaissons dans les conditions que. Plusieurs membres de la Cour, je me fais nommer, et pour le faire associer par le nouvel là, qui sont toujours les nouveaux fondateurs de la nation, c'est un petit projet lié. Ce projet qui m'a dit pour le président Bahá, qui est important, qui est compétent, qui nécessite à parler de compétence intellectuelle, de compétence politique également, mais ça m'a dit que nous sommes très bien, nous sommes très intègres. Nous allons demander est-ce que notre monde a vraiment le niveau pour là. Donc, c'est le niveau par le même gouvernement, nous gagnons les gens. C'est ça que nous-mêmes, nos propositions, nous avons déjà, et nous avons renouvelé le dernier mois, nous souhaitons des référents pour voir si c'est et au niveau secteur judiciaire, là, au niveau de la Cour de cassation, de façon que nous n'avons rien de nous, on respecte que l'ange, nous sommes capables de décider, nous sommes capables de porter tout le monde pour gérer de ce système. Mais de toute manière, ces propositions qu'on a faites, sont nous évoluons l'autre côté nous capables d'entendre nous. Donc, nous espérons que cette partie politique qui. On a réfléchi avec vous, et bien, car on a rencontré avec l'autre parti politique qui fait proposition et qui est déjà agité, et pour nous capables d'arriver, sauver d'accord sur un seul bagage, parce que nous avons compris que c'est surtout le pouvoir qui gagne des avances. Voilà, c'est ça de Adjedonné, leader Mokrena, qui t'a répondu en question Beethoven François Fils. Sous crise politique pays d'Haïti a fait face. L'autre point non actualité a de parler de examen et d'état qui pourrait le fait
à partir de lundi qui a venu là. Jeudi, nous t'ai parlé avec quelques élèves, tant que Vensley Sanon, qui est un élève 9e année fondamentale, qui a préparé pour l'examen lundi, qui est venu chercher Fichti pour le composer. Dans l'examen officiel qui a commencé lundi, Jean, que responsable éducation nationale le dit, et il était rencontré, nous t'ai rencontré acté dans la cour lycée Anténor Firmin. Li fait connaître depuis matin jeudi à la promener dans Port-au-Prince dans l'idée pour capable joindre un responsable pour permettre li joindre document pour le composer. Selon ça le déclaré, il fait plusieurs montées descente dans l'école tant qu'au collège et français avec dans direction départementale l'ouest éducation qui pas bail aucun résultat. Vensley Sanon mandé responsable ministère éducation nationale yo permettre là le composer pour pas perdre année l'école là. Et n'attendel qui t'ai parlé comme ça dans micro Hervé Noël. Oui, me préparer en plus que dans l'école que me ba jeune fiche environ deux fois me besoin fiche pour me composer me ba jeune que me passer dans ministère là mal juste en bas dans avec frère ça dans éducation ministère éducation nationale que me ba jeune fiche en bas portail les organes en côté chaud mon a tiré nous rivé depuis la 10h nous ba ka donc nous pas qu'un jeune monde qui yo fermé nous passer là qu'on y a pas ba non vrai résultat mais ça va c'est un bagage qui va juste et peut-être ça m'était passé là en demain collège français Petionville yo dit mieux pas jeune fiche moi que moi-même moi voulais dégager moi qui pour me décomposer mon problème ni pour moi c'est tout normal parce que faut qu'on avance pour comprendre ça tout là environ deux fois si ça fait faut qu'on avance quand même. Il y a des gens qui ne peuvent pas me faire progrès. Je ne sais pas si je suis un bon résultat. Pour me composer quand même, mais ça fait me passer là. Toujours. Moi, je laisse ça en 26. Ah, c'est un bagage qui n'est pas normal quand même. Si toutefois, besoin d'avancer au bac à jeune papier pour avancer, il faut qu'on pense avec deux mains quand même. Ça fait me passer là même. Ah, je ne vais aucun mot. Parce que juste tout ça fait passer. Un ministère seulement, l'école dans tout. L'école dans tout? Oui. Ça fait ça. Parce que si toutefois mon n'a pas qu'à jeune fils, ah pas de l'école là quand même. L'école là conclut mon bagage quand même. Je ne peux pas contrôler. Je suis environ deux fois, je parle à monsieur, monsieur dit je ne peux pas comprendre ça, je dis là, parce que moi je ne peux pas jeune encore téléphone fermé. Deux quand même. Oui, même t'es passé matin avec moyen pour me bailler. Avec quoi pour me. Et pas parce que me doit ça fait me pas jeune lui-même. OK, c'est un élève d'autant que tout partisan pouvoir toute tendance conservatrice réactionnaire dans pays a qu'après l'amoué qui était élève à le composer mais élève ça c'est l'état qui a empêché le fonctionner et pour la composer Vensley Sanon. Et puis il y a des autres élèves dans lycée Anténor Firmin qui étaient venus chercher fiche tout. Yo di yo senti yo prêt pour ka composer lundi dans examen officiel yo élève sa yo qui t'a réagi dans micro radio Kiskeya fait qu'on est malgré période pays a fait face là il affecté en pile monde qui affecté tout pendant toute année l'école là yo di a travaillé en pile pour préparer examen Franzi samedi avec Jean Wilson solitaire et fait qu'on est séminaire spécial il a suivre dans dernier moment si là yo pour attraper la cunyo. Yo mandé ça relé une chance bon côté monde qui a manifesté pour permettre de composer comme ça doit lundi à mardi jusqu'à mercredi qui a venir là. N'attendez Franzi samedi avec Jean Wilson solitaire dans micro Hervé Noël. On senti mal à l'aise, on était préparé, on va faire pile point d'examen. Oui, bien préparé. Ça fait ça. Parce que mes étudiants pile, on bat bête moi, on travaille en pile. Dans quelle école? Les centres de formation. En tout ça, tout tiré, tout pays était bloqué, je suis toujours là quand je travaille, je suis prêt pour faire un pile pour un examen. Payer le clavier, il va faire bien tout, du tout. Je suis tellement aimé. À cause de tant de gens bloqués,
activité l'école men. Nous toujours préparer même à zanmi yo n'a faire un pile effort pour nous faire. Depuis quel jeune fiche? Jeudi a. Jeudi a? Oui, nous sortons al mettre saut nan et en bas dans ministère. Nous venons voir si il y a un élève toujours dans l'école là. Mais nous travaillons, nous passons. Aujourd'hui, là, il y a un séminaire qui sort. Mais dans l'ICA de l'école, le séminaire est l'ICA actuel. Mais allez, allez, dans le séminaire, aujourd'hui, nous avons fait un bon travail là pour nous bien passer dans l'examen. Oui, nous sommes préparés parce que nous travaillons. Nous allons composer et ajouter une belle garde. Oui, nous jeune fiche, oui, mais c'est un peu la caméra pour plastifier le monde à composer lundi. Ah, ça a fait moins peur dans le sens parce que moi, pas la caméra est fondamentale, la zone ça a rien mis chaud, mais écrit soit moi. Je ne suis pas amené en bas, même des fonds de paix qu'on a là. Et hier, moi, monté écrit soit, je suis venu dans ce séminaire là pour travailler. Il s'est en fumé. Ça m'a dit non, je ne suis pas dernier. Oui. Je me suis dit examen pas la fête. Pas la fête encore. Dès que tu es en paix. Parce que je me suis dit que je ne voulais pas faire un événement encore. Je me suis dit que l'examen pas la fête. Dès que tu es en paix. J'ai un pays à te faire. Moi, je fais mieux que je ne quitte pas une fiche. Non, mais pour autant que je suis composé, ça fait des autres là. Non, pas c'est samedi, Fonski. Solitaire Jean Wilson. Voilà, solitaire monsieur qui pas seul. Jean Wilson et puis avec Franzi samedi deux élèves que nous t'ai rencontré jeudi dans la cour lycée Firmin qui a préparé examen. Bon directeur l'école normale instituteur qui pas de nom cité qui a parlé de préparation examen officiel pour candidat l'école normale, il dit qu'a forcé normalement. Responsable d'école normale Pétionville accent formation continue pour enseignants déclaré dérivé joindre fiche pour 53 candidats l'école Lyon cap gain pour composer mardi mercredi à jeudi à vendredi cap venir là c'est pour examen unir directeur l'école ça Radio Kiskeya a été rencontré et nous avons rencontré cap coller photo sous fiche élève Lyon et faire connaître examen a fait quand même l'état même l'état trop tard selon considération di fait et di fait connait même si l'état esprit timoun yo pas sous ça pas répondre mais examen a fait quand même n'a tande directeur ça qui prend précaution pour pas bay non et qui te parlé dans micro reporter nous Hervé Noël oui moi dire oui ça yo c'est fiche école normal c'est jodi an yo commencé distribuer yo bon mettre prend somme pas prendre image moi. École normale, ce n'est pas lundi qui a commencé eux-mêmes. Il a commencé mardi. Mm-hmm. Et 9e année qui a commencé lundi. 9e année, c'est lundi, mardi, mercredi. École normale, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, jusqu'à présent, tout le bagage marche très bien. Oui. Fiche 9e année, qui a été distribuée depuis avant-hier. C'est jeudi qui a commencé à remettre fiche école normale. Donc, jusqu'à présent, tout le bagage allait très bien. Bon, nous avons constaté ça aussi. Oui, bon, moi, je suis directeur d'école normale. Il y a peine de nos fichiers. Donc, nous mettons photos sur eux pour y aller mettre saut et puis pour nous classifier, remettre candidat aux fichiers. C'est notre état d'esprit de Timonio au rendez-vous. Nous avons menti. Mais on connaît examen d'état. Il était examen d'état. OK? Il n'y a pas qu'à reporter un examen d'état si il n'y a pas de guerre dans le pays. En réalité, il y a tout politique. Esprit Timonio, pas au beau fixe. Mais d'une façon ou d'une autre, examen d'état, il était examen d'état. Examen à fait quand même. Bon, eh bien, pour la politique là, finalement, en novembre, si vous n'avez pas une semaine, en février, vous avez une semaine. Dernière semaine, dernier problème qui vient de poser, il pose pas dans l'examen. C'est-à-dire, vous avez fini le programme. C'était question d'examen que vous avez discuté. En quelque sorte, il n'y a pas nuit finalement à programme, le programme n'a pas bouclé. OK? Donc, le problème qui était posé pour là, c'était Timounio qui n'a pas fini de proposer. Donc, c'est combien de timons? Je suis 53. Je suis 53, au cas où vous marquez, je viens tout. Tout le monde est bien organisé. Tout le monde est bien organisé. C'est un petit retard seulement. Mais nous avons constaté, il n'y a pas de monde qui plaît, il n'y a pas de monde qui dit non. Tout le monde est bien organisé. Tout le monde est OK. Je suis 53 candidats, je suis 53 fichements. Au cas où vous marquez, c'est planifié, plastifié, ma plastifié. Vous mettez ça. Et puis, et pas plastifié. Non, c'est photo ma mettez pour vous mettre ça sous vous. Et puis, plastifié, vous mettez candidat au fichier. OK. Il n'y a pas trop de temps.
li tard mais pas trop tard. Je veux dire c'est samedi, tout monde va pas l'examen mardi. Li tard mais pas trop tard. Ministre t'a expliqué l'avant-hier. Il t'a dit tu as gagné un petit problème quelque part. OK? Bon, nous comprenons ça. On a vu dans le monde des hommes, ça qui arrivé. Bon, son directeur d'école normale, mais m'a prêté dans l'anonymat, pas bon homme. Oui, c'est directeur de l'école Institut ça, René Féville, qui est coordonnateur général comité surveillance élèves et COSAEL, mandé mon qui a fait manifestation, on a cité by élèves 9e année une chance puis elle composer dans examen officiel qui doit commencer lundi 24 juin qui a venir là, on attendait René Féville. Lundi gain examen. Ministre parlait de examen. On a demandé la ria pour by élèves une chance pour ti moun yal composer. Parce qu'il faut que nous pas oublier en 86 sous nan fi yo te fait un relais yo pas composé avec CNG ti moun sa yo pas jamais arrivé composé encore après en 2003 sous Aristide c'était même nous joint ti moun sa yo toujours aller à l'échec n'a essayé pour nous si nous lever voir nous ensemble comme force dans éducation dans pays a pour demander la ria pour bâtir ti moun yo une chance à partir de 24 là composé pour correction faite pour résultat fait, laisse à quel type nous y a content et que nous tout a content. Et puis après, nous tout allons mobiliser nos nandés Jojo. Ben faut que Père Jojo dit un mot. Mais cependant, si que nous pas aider élève, tout le monde va le frustrer. Élève va occuper nous les nous parler. Moi même pas qu'après la rue encore tout parce que nous pas aider pour aller composer. Si nous pas fait un jour d'hier, nous pas qu'à faire un demain pour élève. Et mais ça et ça comme ça elle devine lancer bail. Tout le monde en général, parents, directeur l'école, société en général, syndicalistes. Journalistes, médias, etc., etc. On met les têtes ensemble pour nous aussi examen 24 là, commencer pour bien passer et puis pour toute bagaille faire bien. Voilà, c'est René Féville qui est coordonnateur général comité surveillance élève, COSAEL, qui fait déclaration ça dans Mikoun. Et on a appelé le ministère de l'Éducation nationale à la formation professionnelle, publié calendrier examen l'État pour 2018-2019, hein, examen 9e année fondamentale. C'est eux-mêmes qui a commencé série examen ça, 24 privé 26 juin 2019. Examen l'école normale instituteur ENI, 24 privé 28 juin 2019. Examen centre éducation familiale, 24 privé 28 juin 2019. Examen fin d'études secondaires, 8 privé 12 juillet 2019. Deuxième session récalée, bac 8 privé 12 juillet 2019, examen FTP 30 juillet privé 3 d'août 2019 et puis gain épreuve anticipée pour secondaire rénové 28 juillet 2019. Alors ça pour élèves 20 et 9e année fondamentale 24 juin lundi et élèves qui a composé sorti 9h pour arriver midi c'est communication française, après ça 1h pour arriver 3h et sciences expérimentales et premier et en communication française sur 300 points et puis sciences expérimentales sur 200 points et puis 25 juin communication créole 8h pour arriver 10h et dans matin sur 200 points sciences sociales 11h pour arriver 1h sur 200 points anglais 2h pour arriver 4h sur 200 points et puis troisième journée 26 juin et mathématiques 8h pour arriver 11h sur 300 points espagnol 1h pour arriver 3h sur 200 points. Total point qui en cause là dans ça qui concerne l'examen ça c'est 1600 points. Olapale.com. Et puis n'a retourner rapidement dans dossier politique là, gain Mackenson Kangé qui se porte-parole en organisation des Collés Épaules pour élan à progrès cause peuple. Et qui mandait pour Jovenel Moïse rester sous pouvoir pour faire 5 ans Jean que constitution mandé. Et dans déclaration le fait dans micro nous lycée un proche pouvoir tête caléa li mandé la cour des comptes ressaisir parce que d'après ça le fait connait Jovenel Moïse pas gain rien ni de près ni de loin pour louer avec l'argent Petrocaribe. N'attendez porte-parole organisation ça cause peuple Mackenson quand j'ai te parler comme ça dans micro Joubert Joseph. Nous c'est des démocrates, nous c'est des légalistes qui croient dans loi pays nous, qui croient dans constitution nous et nous connaissons bien qui sa constitution dit que yon président li élu pour 5 ans. Et donc nous-mêmes nous pas gain problème avec aucune institution en dans pays nous. Yon institution tant que cour supérieure des comptes, nous pensons que c'est une institution qui a droit une institution noble, une institution qui doit gain des moun qui crédible, qui honnête et qui juste. Mais je dis là nous pensons que ça qu'a fait en dans pays li hors la loi. Ça qu'a fait en dans pays son
que son bataille d'intérêt mesquin qu'a fait. C'est pas une bataille qui basée sous aucun fondement, c'est pas une bataille qui basée sous question et lumière sous question l'argent Petro-Caribé. On nous regarde bien. Je dis là qui s'est passé. Après que président fin voyer gouvernement dans parlement et on équipe acte de brigandage qui commet en dans parlement vient permettre que gouvernement pas ca et passé et du même coup cour supérieur des comptes fait une bataille font bagaille intelligent et qui purement politique dit met un rapport piqué devant juste pour montrer que président Jovenel est impliqué dans ensemble de bagaille qui donc nous pensons que rapport cour supérieur des comptes là c'est un rapport qui purement politique que technique qui donc et nous dit jodi en là faut que juge ressaisir parce que aux institutions tant cour supérieur des comptes gain de bagaille il pas présenter en nation pour venir la pays non Katchoumbe côté que nous même jodi en que n'a vivre là. Voilà, c'est Mackinson Kangé qui a appuyé pouvoir te parler et comme ça. Gen organisation Alliance Peuple qui estime les affaires Amnesty à la tête parti politique RDNPA te parler de Lyon, son façon de dire pour détourner attention population qui a demandé démission Jovenel Moïse. N'attend des responsables organisation ça Estilien Véniel qui était avec Jean-Fritznel Pierre-Louis te parler comme ça dans micro. Dans moment difficile que peuple haïtien hein? À traverser, gagner plusieurs discours qu'a véhiculé. Dans le moment, dernier discours qu'a véhiculé pour capable craser le peuple, c'est déclaration Éric Jean-Baptiste a bien fait sur un média dans la capitale. Là. Peut-être que nous-mêmes qui avons participé dans la rencontre avec le secteur démocratique là, dimanche dernier, donc, monsieur Vini avec une question d'amnistie que y a des gens Petro-Caribé, qui ont dilapidé les fonds de Petro-Caribé, et bien pour être capable de faire diversion, pour être capable, en quelque sorte, détourner attention la population haïtienne, dans la vraie, en quelque sorte, raison qui met dans la rue. Nous disons que c'est inacceptable pour que Éric Saint-Baptiste lui-même vienne, et bien, à faire masturbation médiatique. A fait machination politique pour écraser le peuple. Chaque fois qu'on a avancé vers la bataille finale, là, nous toujours joignons des mondes que le système n'a calé, le système n'a réincarné, et qui c'est protocole, qui c'est protomite dans le système, là, et bien qui paraît pour mettre rupture dans la bataille, là, pour écraser la bataille, là, pour écraser et lutte peuple. Là. Donc nous connaissons que je dis, il faut nous clair pour nous connaître qui est ce qui est Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste, c'est un monde qui fait fortune, c'est un monde qui est plus pauvre dans le pays. Éric Jean-Baptiste fait 20 ans, il a une bolette, c'est une machine bolette liée, tout le monde connaît Éric Jean-Baptiste son machine bolette. Il a 20 ans depuis qu'il a fait corde dans la bolette. Et comme les gens qui jouent bolette, c'est les gens qui sont plus pauvres. En plus de ça, regardez les gens qui ont fait Éric Jean-Baptiste, regardez l'état des vies, regardez les conditions. Donc, nous clair que aujourd'hui, on est avec Éric Jean-Baptiste qui sont capitalistes à outrance, sont cyniques, ils ne sont pas capables de faire l'autre discours qui est discours ça. Oui, voilà, c'est Estilien Véniel, coordonnateur organisation ça et les Alliance Peuple, et puis avec coordonnateur général même organisation ça Jean-Fritznel Pierre-Louis qui t'a parlé comme ça dans micro. Pierre Abraham Joseph et qui dit il était ancien candidat pour poste député dans commune Akaye et vient à dire tout pour demander démission Jovenel Moïse. N'attendez ça nous est Jovenel complice 69 fois l'Algrancom, c'est une raison. Il est nécessaire, étant donné que nous avons une chambre, nous avons un sénateur, un député, nous avons une mission député, c'est de accuser le président pour être traduit le dossier dans l'autre cour de justice, lui-même avait interpellé, mais c'est effectivement pour évoquer et pour mission en bas. Nous sentons, nous n'avons ni sénateur, ni député. Normalement, il y a des gens qui font un seul avec le place, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts personnels mesquins. Le peuple a dans les néants, le peuple n'a pas existé, c'est l'ex qui occupe le peuple. De ce fait. Moi, je demande à Jovenel pour retirer le pouvoir. Il y a un macaque dans le Jovenel pour continuer à gérer le pays. Soit dans l'État, le pays est sale. C'est-à-dire que le pays a ressemblé à Philippe Jovenel. Le pays a capital la sale. Fatra, Bassiba, la Madou, sale, la boue, matière fécale partout. A prononcé, on a pris une mauvaise odeur. C'est-à-dire que c'est même gens, président et tout. C'est-à-dire que nous avons dit, retirer le pouvoir, il n'est pas digne d'être. Afin de continuer de nous gérer, la situation est très précaire. C'est une raison, monsieur, de demander ce nouveau système pour nous capables de payer à soi et développement. Là, c'est Pierre Abraham Joseph qui est ancien candidat pour poste député dans la circonscription de la commune Akaye. Il y a un parti politique Roche qui dénonce la présence
et représentant l'OEAO pour discuter sous crise politique là j'ai connu qu'on était fait dans semaine non met Erol Amédé ak président parti Evan Toussaint mandé population haïtienne continuer mobiliser pour yo ka joindre démission Jovenel Moïse sous pouvoir et puis après ça pour monsieur al rendre tête li bay la justice n'attendé Erol Amédé ak Evan Toussaint pour apprendre que c'est président Jovenel Moïse qui fait appel avec li pour Haïti nous pas blessé Américains qui viennent, c'est OEA qui viennent pour venir résoudre le problème. C'est peut-être ça, non, c'est ça. Demain, si Dieu veut, nous autres, étant que dirigeants du Parti politique proche, nous demandons à toute population pour lever le campé, monter par le cadre de nos bureaux et mettre un petit piment dans la mobilisation. Jusqu'à ce que pour nous voyons Jovenel Moïse, débat pour nous demander, débat Jovenel Moïse, ce n'est pas voyons Jovenel Moïse aller, mais c'est débat Jovenel Moïse. Et à l'instation de Moïse pour le Kamekil à la disposition de la justice pour lumière faite dans le dossier Petro-Caribéa. Je dis à nous, dire avec le peuple là. Nous disons que c'est mouté par les cadres de nos pires. C'est mouté par les cadres de nos pires. Mobilisation sur tout territoire national là. Nous connaissons que à partir de demain, si Dieu veut, bataille après l'autre étape. Je veux dire à nous, Jovenel Moïse nous dit, nous, en tant que dirigeants de partis politiques proches, nous pas dans le dialogue ni à Jovenel Moïse. Jovenel Moïse est un menteur. Jovenel Moïse n'a aucune légitimité pour jouer aujourd'hui pour la diriger l'État. Vous n'êtes pas qu'à Alexis Non en 69 fois dans un procès Petro-Caribé, ni à Vitens, dans son architecte. Nous ensemble de l'autre projet que jouer aujourd'hui. Nous pas qu'à ouais, nous pas qu'à jouer aujourd'hui. Jouer aujourd'hui, nous pas qu'à essayer Jovenel qui a géré ce pays. Voilà, en pile déclaration, c'est dirigeant parti politique de Washington. Qui t'a parlé comme ça, Erol Amédé et Evans Toussaint. Et puis, il faut que nous disions, série manifestation après à poursuivre, il y a un combat d'organisation politique syndicale populaire qui annonçait diverses manifestations et contre système PZ sous CA qui n'a pas qu'à encore. Donc, il y a plusieurs étapes dans le plan. D'après ça, il faut qu'on ait d'abord pour Jovenel Moïse démissionner. Et puis après ça, et pour venir avec une formule pour remettre le pays à camper sous pied, c'est résumé, n'a présumé. Et puis après ça, et pour finir avec le système pesé sous CA. Alors, c'est annoncé dans Port-au-Prince, il y a tout le monde dans la série de manifestations, ça y est, qui a fait à partir de dimanche, et dans presque tout le pays. Hein. Et il y a tout le monde dans l'enterrement symbolique, ingénieur Jovenel Moïse. Cap chanté dimanche à 10h matin tapant et sous place Constitution et sous champ de masse. Et puis après enterrement symbolique ça, yo pral bouler et bon en fait symboliquement d'après c'est que etc et toujours concernant Jovenel Moïse devant ambassade de la France et puis a continué mobiliser dans plusieurs coins dans capitale là lundi matin yo dit a reprendre et mobilisation encore pour aller rassembler côté qu'on casse rendez-vous pour aller déposer une partie dans un cercueil symbolique et Jovenel Moïse dans devant ambassade Canada. Mardi matin, il a participé dans manifestation et radio et télé Zénith a fait contre attaque qu'a fait toute la presse, il a profité occasion ça tout pour condamner une autre fois encore Zak Bandi et du régime PHTK fait dans Okaï côté au boulé une radio Radio Voix Paysan Sud et VPS. Et mercredi matin, yo pral rassembler une autre fois encore et même côté qu'on casse rendez-vous pour ça yo pral porter reste son cercueil symbolique Jovenel Moïse devant corps groupe là ak ambassade américaine, le diaba mafia ak mercenaire ak système pesé sous c'est et vive un peuple pour un changement total capital, c'est José Mérilien Guy Numa, Jean-Paul Bastien, Olrich Jean-Pierre, Yvan Saint-Faustin ak Patrick Joseph qui signe. Bon, déjà, je n'ai pas accord avec Tibet, étant donné la situation. Je vais vous pour un extrait dans l'émission Intérêt public qui a passé demain matin, quand on va recevoir trois invités, tête syndic, ancien député Jean-David Génestin, ancien député Okaï Ilavache, et puis avec porte-parole à soi et alternative socialiste, qui c'est docteur Jean-Enold Buto. Jean-Jean, attendez un extrait dans l'émission. Ça. Non seulement il y a une violence physique qui a fait, mais il y a une violence et symbolique tout même Jean et sociologue l'a dit et Pierre Bourdieu gagne une violence symbolique cap fait sous masse défavorisée donc violence ça c'est pour kembe ça tout quoi par exemple nous aujourd'hui ça qui passe dans la rue c'est du plomb pour les monde cap mandé
et côté Cap Beto Caribé. Pendant que pour les proches du pouvoir, c'est de l'or. C'est de l'or pour mes amis, de l'or pour les proches du pouvoir, mais du plomb pour le peuple, pour moun kap mande et comment t'as capable dit et justice pour question Cap Beto Caribé. Monsieur Jean-Étienne Charlier dit qui était un joueur important en 46 qui presque semblait à ce qui a passé là. Ou son journée tant que Eli Lesko qui était pensé être trop puissant et parce que monsieur était déclaré la guerre à l'Allemagne pour être capable faire plaisir et à américain yo comme américain sorti victorieux les alliés sorti victorieux dans et comme ça l'Allemagne n'était mérité de déclarer la guerre parce que ça que t'as fait en Allemagne pas non acceptable. je suis entièrement d'accord oui, mais alors m'a dit que c'est ton prétexte c'est pas il va déclarer l'Allemagne c'est, écoute non il va moi non je dis là dit qui côté c'est ton prétexte son écurie la donne c'est ton prétexte pour te joindre appui américain pour te Québec l'OEA bon c'est vrai que Haïti c'est même fondateur l'OEA nous c'est un signataire charte de l'OEA que jodi on connaît le charte de même nous c'est un fondateur Nations Unies mais écoute l'histoire d'Haïti professeur là il témoin de ça il travaille sur ça. Mais l'histoire d'Haïti, ça nous représente comme. Mais besoin quoi fond ça Haïti représenté dans zone là par exemple et comment est-ce que nous aider les peuples de l'Amérique latine de la Grande Colombie qui va venir le Venezuela, le Pérou mais l'Équateur nous un rôle nous jouer. Colombie Équateur. Nous un rôle nous jouer dans un pays tant que la Libye avec l'ambassadeur Émile Saint-Lô. Donc ça veut dire que l'OEA pas gagné assez de comment tu capable dit pas de passé historique passé nous pour venir nous ban nous dicter. Un piège demander justice sous Petro-Caribé. Ak système qui là j'en organisé à l'état j'en organisé à Petro-Caribé seulement si pas une bataille coule une bataille complémentaire ou bien qui même avant-garde de revendication ça qui pour résoudre problème ça ou qu'a prendre un gros piège et l'on parlait de l'OEA justement là l'OEA lui-même il sort il on ba yo dit là que et il en sort rappeler là c'est que il dit que qu'avons une commission d'experts venir de résoudre problème est-ce que effectivement il y a un problème là fait utilisation l'argent Jean Baila et Jodia comme si il a une capacité pour le bail peuple pays a comme si il réponse à revendication là donc ça il est important pour nous dire que pendant mon a demandé ça comme si réduction de compte là faut problème bataille politique là pas dévier. Ça veut dire que faut qu'il y ait une consistance ça et faut qu'on fait très attention à la bataille politique à mener en tout pour pas tromper de qui acteur qu'avait parce que nous ouais qui j'ai a configuré tu as positionné sur question bataille qui dans la rue là parce que gain la force de quitter bagarre l'agent hier parce que nous même pas fatigué depuis nous là toujours n'a continuer qu'à bord justice n'a pas qu'à faire une comme ça soi-disant de vous quitter nous là donc avec quitter là li en soubassement à question focus sous Petro-Caribé seulement donc pas connait si bien combien nuance que monsieur soulever dans ça mais ça l'OEA vient faire là tout mais qu'il y a deux c'est retardé oui, yo, oui parce que et pays a étant puis avancé dans le dossier nous étant identifié secteur li dou non pourquoi identifier et l'OEA a un gros problème même fondamentalement pas veut faire même débat les un problème l'OEA après coup d'état. Je ne sais pas que le pays a inscrit dans le même débat. Ça. Si nous changeons de débat, comme si Caputo, dans Caputo, et pour dire l'autre qui a été bagaille, ça Petsoulo, qui a été là. Après, on a dit, ce débat-là ne peut pas permettre que l'avancement, lutte nationale, lutte paysanne, il ne peut pas avancer pendant la période. Ça. Au contraire, c'est des freins que vous avez. Et il faut éviter au maximum d'entrer dans le débat, ça, à combattre les l'OEA. Que d'après toutes ces formations qui peuvent être là, il n'y a pas aucun mandat. C'est ça ambassadeur Antigua a dénoncé matin. Par exemple, ou par qu'on a qui titre là. Donc il se piège de et puis c'est chef si... cabinet secrétaire général là qui vient à l'ambassadeur américain. Oui. Et vous dites docteur donc la, matin, la c'est pas juste ouais. il faut que le fait très attention que pas conduire dans débat ça. Ouais. Parce que conduire dans débat ça il prend niveau mon forme de nationalisme. Et qui pourrait permettre que nous englobe un paquet de monde qui pas nécessairement la même inscrit ou la même bataille là, parce que pourrait dire défendre ou entité créée la souveraineté nationale, comme si la dignité nationale, comme si au nom de l'histoire, des bagages comme ça. C'est des discours qui a posé un pile problème et qui ban encore 10 ans de sursis de à l'étage en lien. Parce que c'est Zamounio que nous avons utilisé. Et c'est à dessein la guerre devant nous là pour nous discuter sur des bagages qui pas nécessairement réel et qui empêchait que ça pour éclater a éclaté. Moi pense que message bien que faut retourner parce que bah ça a une bonne confusion là-dedans.
bien que et m'pa vle dire que m'pa prend monsieur ça au sérieux parce qu'il y a vraiment gain 1 million de petits conflits internes à l'intérieur donc plus gros antagonisme majeur par exemple le et pour qui raison son mission clandestine excusez-moi mettre en pèlerin pour me dire ça mais et c'est d'ailleurs mes publics à comprendre moi pour qui raison son mission clandestine qui est entrée mission entrée il prend machine l'alcaille monsieur Moïse le fini il prend avion à 2 heures c'est-à-dire une mission qui était dans le pays pendant moins que 50 ans lui remonter me fait hier soir parce que moi même pas venir mission ça moi relé toutes amis moi pour demander bon moins composante parce que quand j'ai entendu le mot mission dès qu'on nom de monsieur oui tout monde qui répond moi non émissaire américain hein? Avec chef cabinet monsieur Almagro. Oui, Carlos Trujillo. Carlos Trujillo avec Conkek. Avec chef cabinet. Chef cabinet Almagro qui est le Conkek. OK. Moi dis OK, oui, ça c'est sûrement deux monde qui t'a dirigé mission. Moi dis oh, bon, reste non, non. Moun yo. C'est après gen aux amis qui dit non, Jean, pas de plus monde, c'est deux monde. Dit donc, c'était deux émissaires, c'était deux monde qui venaient. C'est pas en mission parce que deux volontaires voilà le mot deux volontaires même Jean il faut sauver le soldat Ryan tu as des nègres qui t'ont des volontaires qui t'ont à le sauver et puis de plus en plus osé faut comprendre que gagner des monde qui dit monsieur par exemple ça ressemble à du sol à tout cru vous comprenez qui dit que bon OK faire un bagaille qui donne l'imposture en fait ça son imposture même j'ai avec ingénieur ou elle ou dit comme ça que gon mission cap entrer alors que mission le mot mission vient de latin mitere qui veut dire envoyer c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on a envoyé faut me demander monsieur qui côté mot ça envoyer qui est-ce qui voit donc un ensemble de confusion en dedans ça et monsieur eux-mêmes ils ont grain souci dans tête aujourd'hui hein, c'est comment pour faire pour rester au pouvoir. Voilà, intérêt public de matin, trois invités, docteur Jean-Enol Buteau, et porte-parole Alternative Socialiste Asso, ancien député Jean-David Genesté, et puis à TED Syndic, n'a pour se voir demain matin à 8h. Et puis, il faut que nous disions, mobilisation, manifestation à reprendre demain, c'est ça, diverses organisations qui ont participé là-dedans, fait qu'on est, mais tout gagnant, plusieurs syndicats, en cours, c'est STH, SCPH, ANH, CITRACH, MOSA, et BESAC et Latrier qui annonçaient deux mots d'ordre grève pour forcer Jovenel Moïse démissionner deux journées mots d'ordre grève tout partout dans le pays. Ils ont lancé appel à tout le monde pour pouvoir coller dans mots d'ordre grève. Ça y est, lundi à mardi, d'après sa organisation, ça y est, ils ont fait connaître dans une note qui peut être signature sur son dumé. Coordonnateur national BESAC, à Pastrin Jean-Philippe, coordonnateur CITRACH, et puis gen Koulange Al-Zufar, qui président CSTH. Deux journées mots d'ordre grève, lundi à mardi, alors que Abel Loïsson et Edouard Saint-Fleur ont même annoncé manifestation demain dimanche. Nous voulons lancer trois journées de mobilisation, trois journées de manifestation que nous relais opération guerre. Opération guerre qui veut dire envahir. Nous pas camper dimanche cap 23. N'a commencé sur place papa de Saline à Nevertapro. N'a sorti sur place là, n'a fait ricapo, n'a monté sous la rue, n'a passé maternité qui c'est la nazon, n'a tombé sur route aéroport. Là nous venons à aéroport, n'a prétend tout monde qui a sorti Pétionville. Monde qui a sorti demain 60, monde qui a sorti demain 75, 33 à venir rejoindre nous là parce que n'a fait boulevard tout seul ouverture, nous pas le bord et aéroport international, tout c'est l'ouverture. Et là, on a passé pour nous arriver à Kafou et Rita. Mais avant nous arriver là, Gombi aux Nations Unies, nous allons camper là pour nous parler avec ce groupe là, pour nous parler avec Mounsa Okikebe, Jovenel Moïse, toujours dans le pouvoir. Et n'amontez pas, Gérard Bataille, dès matin 3, nous allons sortir sur l'autoroute de Delma pour nous arriver jusqu'à devant ambassade du Canada. Lorsque nous arrivons devant l'ambassade du Canada, là nous allons poser ambassadeur du Canada en question pour nous dire pour qui ça, yo Kembe Jovenel Moïse toujours non pouvoir. Parce que nous avons dit que yo même la caillou, yo pas j'ai accepté yo premier ministre
du Canada a bien la corruption. Après ça, pour nous virer sous des MA-60, pour nous descendre sous Boudon, de Boudon, pour nous traverser, pour nous passer devant sous la lune, pour nous arriver devant le palais national, c'est là nous conseillons que nous allons brûler, qui cap symboliser entièrement Jovenel Moïse, qui n'a fait de récit. Nous même ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous dit mobilisation pour nous joindre comme Petro-Caribéen, pour nous joindre départ Jovenel Moïse, comme monde qui participe dans le comme Petro-Caribéen, nous dit mobilisation pas de camper. Mobilisation en pas camper parce que Jovenel Moïse volait avenir nous, il volait économie nous, il volait santé nous, il volait éducation nous. Et c'est dans ce sens ça, nous dit à partir de demain dimanche, c'est mobilisation générale dans tout le pays. Opération guêpe noire pour que nous jouions de pas Jovenel Moïse dans tête palais national là. Voilà, c'était Abel Loriston et Edouard Saint-Frère concernant la série manifestation qui va commencer demain. Et n'a fini avec un cadeau Jean-Jean Roosevelt saute poté pour nous là d'ailleurs son exclusivité et Radio Kiskeya sous situation donc qui inspiré artiste non nous connaît et qui c'est un artiste qui a un pile aspiration il prend dans situation sociopolitique pays hein moi même écoute n'a pas découvrir musique là ensemble avant qui pas fin jouer net parce que là nous arrivé depuis longtemps Tibet a pété dehors mais il a dit non il comprend parce que nous dans mode spécial. Et n'a pour mot sur la donne et puis nous invitons rester sur la radio parce que tout de suite après tu mettre pour quelqu'un pour faire entendre musique ça et peut-être faire commentaire sur lui et c'est ensemble avant on a découvert première note musique ça Jean-Jean Roosevelt fait un cadeau merci Jean-Jean spécialiste d'élection truc très bon week-end sur Kiskeya olapalais.com 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 olapalais.com